Oh mince. Bonsoir mes étoiles. Attendez, j'essaye de mettre ce téléphone en marche. Oh mince, c'est quoi le compte? J'essaye de mettre ce téléphone en marche. Bonsoir mes étoiles. Mes étoiles d'amour, vous savez que la page est restreinte depuis des mois. Donc, s'il vous plaît, libérez les cœurs pour protéger le live et partagez le live. Je vais boire un peu d'eau. Faut pas que je ris. Je vais boire un peu d'eau. Attendez. Lauriane Nout, bonsoir. Mes étoiles d'amour, partagez ce live. Jusqu'à Toulouse. Alors, je suis en train de télécharger quelque chose que je vais montrer à quelqu'un pour l'aider en fait. Je vais montrer ce quelque chose. Merci pour vos cœurs, mes étoiles. Je vais montrer ce quelque chose à quelqu'une pour l'aider. Donc, je télécharge ça. Pour l'aider dans sa requête. Je suis en train de télécharger l'application Western Union pour aider une personne dans sa manipulation et sa méchanceté de faire un bon travail. Ce sera bénéfique pour l'État. Newa, Moto Newa, merci pour les cœurs, mes étoiles. Bon, c'est pas grave. Bonsoir, mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile cribienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil dans le positif. Ma chère communauté, mes chères étoiles du village, vous me connaissez dans mes folies, vous me connaissez dans mon calme. Ce soir, on va faire un live comme les voyous. Parce que j'ai toujours fait comprendre à certaines personnes que être calme ne veut pas dire qu'on est lâche. Ne pas vouloir coller son image à la boue ne veut pas dire qu'on a peur. C'est simplement parce qu'on gagne en maturité, on a des enfants à protéger et on n'a pas envie de faire tout et n'importe quoi. On a décidé d'avoir une posture qui éduque les jeunes. On n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour essayer d'être un éducateur. On a simplement besoin d'avoir été éduqué et d'avoir un minimum de base de valeur. Partagez ce live jusqu'à Monaco. Je n'ai pas laissé le père des étoiles dormir, mes étoiles d'amour, pour que vous ne partagiez pas ce live jusqu'à Monaco, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Étoudy. Il faudrait que vous le partagiez jusqu'à Monaco, jusqu'à Étoudy, jusqu'à Toulouse. Parce que ce soir, je ne vais pas aller de main morte. Donc, quand nous sommes à 1000, on commence à parler. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Bloqueto, bannis-moi tous les démons en liberté qui vont se balader dans ce live.
Ce soir, il n'y aura pas que des démons en liberté. Il y aura les démons en liberté du piment. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Parce que les démons du piment sont dans le live. Ne les laissez pas piquer la page. Quand nous sommes à 1000, je vais vous parler de cette pimentière internationale qui fout le bordel sur les réseaux sociaux depuis son arrivée, qui fout son nez partout, qui essaye de faire porter l'étiquette de savante de Ndongo à toutes les Camerounaises qui la dépassent. Ce soir, je vais montrer à cette fille que moi, l'étoile caribienne, je n'ai pas peur d'une femme qui va s'accroupir pour faire pipi. Je n'ai pas peur d'une femme qui a la fente au milieu de ses jambes, comme moi. Je n'ai pas peur d'une femme qui a versé du sang, comme moi. Je t'avais dit que tu vas travailler pour moi. Je t'avais promis que tu allais travailler pour moi. Je vous ai dit que j'ai une parole qui bénit et qui maudit. Ce n'est pas un mensonge. Je ne fais pas semblant d'être croyante. Je suis une vraie croyante. Avec mes défauts comme tout le monde. Je t'avais dit que tu allais travailler pour moi. Ça, c'est la malédiction que je t'ai donnée sur les réseaux sociaux. Piment de Monaco, depuis l'année dernière, tu travailles pour moi. Jusqu'à ce jour, tu travailles encore pour moi. Et la bonne nouvelle est que tu vas encore continuer à travailler pour moi parce que là, je te donne l'occasion de ne pas te reposer. Tu avais fait des pauses et ce n'est pas bon, ça ne me plaisait pas. Il faut que tu te relèves et que tu continues à travailler pour moi. Et tu sais que dans chaque boulot, tout travail a un salaire. Durant presque tout le long de l'année dernière, tu as bossé pour moi, tu n'as pas eu de salaire. Et je me suis dit que bientôt, nous allons fêter Noël, il faudrait que je te fasse un cadeau. Merci beaucoup pour tes 200 étoiles, mes étoiles. Mes étoiles d'amour, je vous supplie de ne pas libérer d'étoiles dans ce live, s'il vous plaît. La personne qui vient de libérer 200 étoiles, ne libérez plus les étoiles. Je ne veux aucune étoile dans ce live. Je ne veux pas les étoiles de la malédiction de cette fille. Ne libérez plus les étoiles, mes étoiles, je vous en prie. Merci à cette petite étoile qui m'a donné 200 étoiles, que Dieu te le rende. Mais ne libérez plus les étoiles. On n'a pas besoin de ces étoiles. On préfère 10 personnes qui nous libèrent des bonnes étoiles que des personnes qui vont nous libérer les étoiles parce qu'ils nous aiment. Mais c'est pour le compte de la vidéo de cette fille, ça ne m'intéresse pas. Donc je te disais tantôt, Piment de Monaco, bientôt Noël, il était temps que je te fasse un cadeau. Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas le petit piment. Mais avant de partir, il faudrait bien te couvrir. Car sa saleté pourrait te détruire. C'est pour toi, Piment de Monaco. J'ai dit qu'à 1000 personnes, ma chère communauté, la page étant très restreinte, nous allons commencer à parler. Donc je suis là pour ta paye, Piment de Monaco. Je suis là pour ton cadeau de Noël. Parce que je sais que l'année d'après, tu vas travailler pour moi. Et je vais encore attendre une prochaine année peut-être pour te payer encore et te faire des cadeaux. D'accord? On libère massivement les cœurs. On protège le live, mes étoiles d'amour. Parce que les démons du piment seront en liberté. On ne va pas les laisser gagner. Ce soir, demandez à ma voix de ne pas voyager. Parce que vous savez que quand je crie, j'ai mal. Mes cornes vocales me font mal. D'accord? À 1000 personnes, on commence à parler. Piment de Monaco, oui, c'est son nom, Maud. Corinne Maud, c'est son nom. Je vais saluer quelques personnes qui sont déjà là. Marie-Olivia, bonsoir. Michel Iris, mon chantre d'amour, mon chantre de la gloire glorieuse, bonsoir. Bloqueto, tu es dans la place. Bloqueto, si tu es là, n'hésite pas d'épingler le nom de notre site internet. Yolande Minang, bonsoir mon étoile d'amour. Biam, bonsoir, j'espère que tu vas bien. À 1000 personnes, on commence à parler.
On a tout le temps ce soir. Piment de Monaco, ce qu'elle est capable de faire ce soir, c'est de faire semblant de l'ancien live pour faire semblant comme si elle n'est pas dans ce live. Mais demain, ou alors après qu'elle eut terminé son live débile, elle va s'asseoir pour bien épier ce live. J'ai confiance. Je vous observe un peu sur les réseaux sociaux. Je commence à faire le profil de chacune d'entre vous et de chacun d'entre vous. Le président Ken, bonsoir. Lynn l'ouragan, bonsoir. Lynn Landry Gira, bonsoir, mon étoile. Belize, bonsoir. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Sandra Nguele, bonsoir, mon étoile. Corinne Mingue, bonsoir, mon étoile. Merci infiniment, c'est gentil. À 1000 personnes, on commence à parler. Libérez massivement les cœurs. Les étoiles, partagez le live. La page est sauvagement restreinte. Cyril, bonsoir. Chekne Sissé, bonsoir. Laure Farel, bonsoir. Ange Flavie Rivière, bonsoir. Kribi te dit bonsoir. Je vous aime, Kribi. Je suis de Kribi. Je vous aime. Je vous aime, ma ville de Kribi. La ville qu'on veut me voler. Je vais vous redire bonsoir. Parce que vous êtes en train de faire les partages. Et on va reprendre. Bonsoir mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Kribienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil dans le positif. Ma chère communauté, puisque Facebook a la mémoire sélective, puisqu'ici quand les gens commencent à vous attaquer, certains regardent. Et après, ils font semblant de ne pas voir. Je vais d'abord commencer par vous dire qui est le piment de Monaco, comment je la connais et pourquoi cette fille m'insulte sur les réseaux sociaux depuis l'année dernière, pourquoi elle travaille gratuitement pour moi alors qu'on ne se connaît pas dans la vraie vie. Je vais vous dire qui est cette fille. Je vais vous parler d'elle. C'est le premier tome du live que je dois te faire. Le cadeau de Noël que je te prépare, c'est le premier tome. Il y en aura d'autres. Je tiens à te dire que je viens en guerre seule. Je n'ai appelé aucun blogueur pour demander renfort. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas besoin de citer les contemporains pour venir me défendre pour te parler. Tu ne me fais pas peur, ma chérie. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas fait le béaba à l'école qui peut venir m'influencer. Tu peux me dépasser dans le piment, mais pas dans l'école. Tu as compris? Moi, j'ai niveau maternel, mais tu ne m'atteins pas. Alors, je vais vous expliquer ma communauté. Nous sommes à 1000. Partagez le live, mes étoiles. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de manipulations sur Facebook. Ma communauté, je vous présente les excuses. Je suis suivie par beaucoup d'Africains, par beaucoup d'Européens. Je l'ai su à un mariage. J'ai compris que je devais faire attention à ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'arrive à un mariage où je suis invitée par un ami. À nous. Et la mariée, elle oublie qu'elle est en train de se marier, elle oublie le maire, elle crie mon nom. Même le maire était étonné parce qu'elle est fière de me voir. Tous ses invités me connaissaient et tous ses invités, la plupart, étaient fiers de me rencontrer. Quand tu es un influenceur et que tu as la chance d'aller dans des événements comme cela et que les gens assument te connaître, les gens assument faire des photos avec toi. Les gens se bousculent pour te faire des bisous. Sache que le travail que tu accomplis sur les réseaux sociaux est potable. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça qu'on peut assumer. Surtout toi, Piment de Monaco. Donc, quand je vis des événements comme cela et que je me retrouve en train de répondre à de la merde comme toi et je n'irai pas de main morte ce soir, je te le promets, ça me fait mal. Et pour cela, je dois d'abord présenter les excuses à ma communauté. Vous voulez qu'on fasse ce live comme au village ou bien comme à l'accoutumée? Parce que je pense qu'on va faire ce live comme les voyous. Hein. Ce sera mieux, n'est-ce pas? Vous me connaissez, non? Quand je veux parler comme au village, je joue à la racaille, ça sort comme ça sort. Et quand je veux être moi, on sait qui je suis, n'est-ce pas? Ma chère communauté, je l'ai dit que je suis une artiste de gospel. Moi, je ne comptais pas faire l'influence sur les réseaux sociaux. Mais j'ai trop d'empathie. J'ai vu tellement de choses méchantes, mauvaises et négatives que j'ai décidé de donner ma voix sur les réseaux sociaux.
Mes premiers lives, vous les connaissez. Mes premiers tests étaient des tests de motivation. Je découvre le piment de Monaco. Elle n'était pas blogueuse. Elle avait une page lambda. Moi, j'avais déjà une page publique que j'avais créée avant elle. Vous pouvez regarder la traçabilité de la création de nos pages. Facebook ne ment pas. Ma page était créée avant la sienne. Elle venait de sortir un titre, Papa Bonheur, si j'ai bonne mémoire. Je te fais la publicité, ma chérie. D'accord? Je crois que c'est ce titre. Elle disait qu'elle était crébienne. Ça m'a attirée. Je ne vous ai pas caché qu'on m'a arnaqué je ne sais pas combien de francs pour ma musique. Des grands arrangeurs de renommée, que le jour où je vais citer leur nom ici, vous serez choqués. Quand je découvre qu'elle a fait de la musique et qu'elle vit en Europe, je suis tombée sur elle comme ça sur Facebook. On avait une amie en commun sur Facebook, les amis de Facebook. Je me dis, mais comment une femme qui est en Europe a réussi à sortir son titre? Depuis que je suis là, on ne fait que m'arnaquer parce qu'on sait que je vis en Europe. C'est moi qui rentre en contact avec elle. La différence entre toi et moi, c'est que je vais faire mon live du début jusqu'à la fin sans mentir. Parce que j'ai ma conscience. Je ne sais pas si tu es capable de faire un live de 5 minutes sans mentir. Je crois qu'à cet instant précis, tu dois comprendre qu'il y a la différence entre notre éducation. L'éducation que toi tu as reçue et la mienne. Je vais faire ce live en n'inventant rien, en n'enlevant rien, en ne rajoutant rien. C'est moi qui entre en contact avec elle. Je lui dis bonjour ma chérie. Dis-moi, est-ce que tu peux me mettre en contact avec la personne qui a arrangé ta musique, parce que je suis fatiguée de me faire escroquer. Elle fait la gentille, toute gentille au téléphone. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Je me suis dit, pour une fois, tu appelles ta soeur, ta mère, tu as besoin de l'aide, elle est toute gentille. Je ne savais pas que c'était le serpent que je venais de dire bonjour. Bloqueto, bannis-moi les démons en liberté qui se baladent là. Ne les laisse pas gagner, s'il te plaît. Et tous ceux qui s'amusent à raconter des balivernes sur ma page, allez vociférer vos énormités ailleurs. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, qu'elle va me mettre en contact avec un arrangeur. Elle ne m'a jamais mis en contact avec un arrangeur. Elle m'a présenté quelqu'un qui manage. Il se débrouille aussi comme ça. Mais c'est une très belle rencontre. Je ne regrette pas. Et je dis merci. Parce qu'aujourd'hui, ce quelqu'un est moi. Tellement il est sympa. On est devenu comme la famille. D'ailleurs, je lui fais un big up et je vais taire son nom. Elle ne m'a jamais présenté d'arrangeur. Au contraire, c'est même grâce à ce quelqu'un que j'ai souvent pu causer avec certains arrangeurs. Mais elle m'a menti qu'elle me présentait un arrangeur parce que elle avait peur de me présenter un vrai arrangeur et que je sorte un titre qui cartonne. Je pense que si elle a menti ou si elle a joué à la comédie, c'était pour ça. Parce qu'elle avait vraiment un arrangeur au Cameroun. La personne qui a arrangé son titre, elle ne m'a pas mis en contact avec cette personne. Regardez comment sont les Camerounais. De là naît une sorte de fraternité. Parce que madame invente qu'elle est de Kribi. Et il y a ce petit côté de fierté de dire qu'on a trouvé sa sœur en France. On peut parler du blog. On parle du blog. Écoutez bien. On ne parlait que du blog. Quand je dis que du blog, ce n'est que du blog. Je venais de créer ma page Facebook. Bloqueto, bannis-moi les démons en liberté qui se baladent, s'il te plaît. Ce ne sont pas leurs quartiers ici. Je ne connaissais même pas encore comment Facebook fonctionnait. Je ne maîtrisais pas encore les options de Facebook comme il faut. Elle m'appelle un jour, elle me dit qu'elle va clasher Lolo. Je dis pourquoi. Elle me dit qu'elle va la clasher. Et tout, parce qu'il y a eu je ne sais plus quoi. Très honnêtement, comme je ne veux pas raconter d'histoire, je ne me souviens plus exactement de quoi il s'agissait. C'est moi qui lui donne les conseils. Viens démentir parce que tu es une grosse mytho. Je lui dis, ma chérie, n'entre pas dans ce monde-là. Si tu entres dans ce monde-là, tu vas te brûler les ailes. Ne tombe pas dans leur jeu. Moi, je ne sais pas qu'elle-même, c'est un sac à problème, mais elle n'a pas encore de nom pour faire ses problèmes. Elle me dit non, elle va la clasher. Je lui dis non, ne fais pas ça. Quand tu vas faire un live, fais autre chose. Je lui demande de ne pas clasher. Le jour où elle a lancé le titre pour faire le live de Tata Lolo, elle avait prévu clasher Lolo. Je ne sais pas si ce sont mes conseils à moi qui ont marché,
Mais toujours est-il que je lui ai prodigué des conseils. Quand elle arrive, elle fait son petit show. Elle fait son cinéma, il y a les vues. Elle est toute contente. C'est normal, on venait à peine de commencer le blog. Là, c'était encore sur sa page privée parce qu'elle n'avait pas encore de page. Elle était contente, elle était fière. Parce que quand tu es nouveau blogueur, tu fais tes premières 1000 personnes qui te regardent. Tu es content parce que tu n'as jamais atteint ça. Elle a appelé le gars qu'elle m'a présenté au Cameroun, me montrant que c'était un arrangeur. Elle l'a dit, oh, j'ai fait telle vue. Elle m'a appelé, j'ai fait telle vue. Et je lui ai dit, tu as vu? Tu n'avais pas besoin de clasher pour qu'on te regarde. Elle dit, oui, maman, je les ai bien fait miroiter, etc., etc. Elle n'a pas clashé Tata Lolo parce que elle n'avait pas encore les codes sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai compris, en fait. Ce ne sont pas forcément mes conseils qui ont primé sur sa mauvaise éducation. Mais c'est une fille, vous savez, ce genre de filles qui sont habituées à la manipulation calculent tout. Elle savait qu'elle n'était pas encore vraiment suivie sur les réseaux sociaux. Elle n'avait pas encore de page, elle n'avait pas encore de team. Et que si elle s'avançait à aller attaquer un gros poisson comme Tata Lolo, parce que oui, ce sont les grands blogueurs à cette époque-là quand nous on arrive, et ça reste les grands blogueurs d'ailleurs. Les gens ont peur de s'attaquer à eux, etc., etc. Donc, elle a eu peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelques semaines plus tard, c'est moi qui lui dis, mais pourquoi tu ne crées pas ta page? On cause de pages comme ça. Elle viendra vous dire que ses amis aussi lui ont demandé de créer, c'est possible. Mais moi-même, je le lui ai dit, pourquoi tu ne crées pas une page publique comme moi j'ai créé une page publique? Elle est partie créer une page publique. Nous avons commencé à faire les lives. Elle de son côté, moi de mon côté. Je parlais avec elle en me disant qu'on se soutient dans les conseils. Je lui prodigue des conseils, elle me prodigue des conseils. Sauf que sa ligne éditoriale était fidèle à elle. Ma ligne éditoriale était fidèle à moi. Moi, je suis intéressée par les faits de société, de base. C'est ce qui m'a amenée sur les réseaux sociaux. La sensibilisation, la dénonciation. J'ai vu un petit qu'on a tapé, ça m'a outré. J'ai fait ma première sortie. J'ai dénoncé le fait qu'il n'y ait pas d'eau potable dans mon pays. Je n'ai jamais insulté le président de mon pays. J'ai dit que le président de la République, je réitère mes propos, était déjà trop âgé pour rester à Etoudi. J'ai expliqué que Etoudi n'était pas une maison de retraite. Je suis une Camerounaise. On m'a appris que mon pays est un État démocratique. La liberté d'expression exige que si tu vois des injustices dans ton pays, tu peux te permettre de dire que ça ne va pas. Je ne vois pas en quoi on me taxe de mal élevé qui insulte le président de la République, etc., etc. Bref, c'est une parenthèse. Il ne faut pas que le live soit trop long parce qu'il y a beaucoup de tonnes. Elle m'appelle, alors non. Un jour, elle m'appelle. Elle me dit, quand je fais le live du petit qu'on a mis dans le fût, je fais 500 personnes en direct. Moi, je ne suis pas consciente que ça fait beaucoup de vues, en fait. Vous comprenez? Moi, je parlais juste et je ne suis pas consciente que ça fait déjà beaucoup de vues pour une jeune blogueuse que j'étais. Elle m'appelle, elle me dit, moi, Jean, on m'a dit que tu es hypocrite avec moi. Elle m'appelle au téléphone, je lui dis pourquoi. On me dit que tu boostes ta page, je vous promets. Écoutez, je vous parle du début, avant de venir sur ce que je veux venir, sur mon premier tome. On me dit que tu boostes ta page et que tu es hypocrite avec moi. Je vous promets, ma chère communauté, je ne savais pas encore ce que voulait dire booster une page. Je sais ce que veut dire le verbe booster. Vous comprenez? Mais dans le sens de Facebook, où les gens achètent les vues, je ne savais même pas que ça se faisait. Où les gens boostent les pages pour avoir de la visibilité, je ne savais pas. Je lui dis, booster veut dire quoi? Elle me dit, mais hein, intelligente comme tu es, tu veux dire que tu ne sais pas ce que veut dire booster? Et à vrai dire, je ne vous mens pas que mon ego en a pris un coup. Ce qui fait que quand elle m'a raccroché, je suis allée taper boostage Facebook. Et j'ai compris que ça faisait référence aux publicités fictives. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on te fait des publicités, après tu as des vues fictives. Je dis, ah d'accord, je comprends. Bloqueto, tu me bannis tous les démons en liberté qui viennent avec des langages orduriers sur ma page. Les enfants mal éduqués, ce n'est pas ici. D'accord? Je lui dis que non, ma soeur, je n'ai jamais boosté ma page. Elle me dit, mais tu as fait 500 vues, hein? Je dis oui. On en reste là.
Je fais le live, un autre live qui est relayé par tous les politiciens. Non, non, avant ce live, je crois. Ou alors c'était, peu importe, je ne sais plus. Je fais un live qui est relayé par plein de politiciens. Je ne suis même pas au courant. Puisque moi, je suis au courant du MRC, mais je ne m'intéresse pas au parti du MRC. Je m'intéresse aux leaders, c'est vrai, parce que j'ai lu le programme politique de ce professeur. Ça m'a intéressé. Et je reste fidèle à ce programme. C'est tout. Mais je ne me dis pas qu'un jour je vais rejoindre un bord politique. Parce que voilà, moi, je suis plutôt un électron libre. J'aime être libre de mes pensées, de mes prises de position. Je n'aime pas être encerclé quelque part où on va me fixer des directives. Mon live est relayé partout. Je suis vue partout. On m'appelle de partout. Oh, ton live est chez les talibans. Ton live est chez les tels. Ton live est chez les tels. Je dis, ah bon, qu'est-ce que j'ai dit de... Vous savez, qu'est-ce que j'ai dit de précieux en fait? Elle m'appelle. Elle me dit, ma soeur, c'est comment? Je dis, ça va. Elle me dit que, on m'a dit que tu m'as insulté. Je dis, je t'ai insulté comment? On m'a dit que tu as fait un live, tu as dit que je suis une prostituée. La personne là qui m'a dit ça, elle est sur ta page. Je suis restée calme. En fait, moi, je ne suis pas impulsive. C'est quand je veux. Je lui ai posé une question au téléphone. Je lui dis, Piment de Monaco, je peux te poser une question? Elle m'a dit oui. Tu as mis avec moi sur mon compte personnel? Elle me dit oui. Tu me suis sur ma page publique? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu peux me montrer un live où moi je t'ai traité de vendeuse de ndongo et de prostituée? Elle me dit que non. On dit que tu ne m'as pas traité de vendeuse de ndongo, mais que tu as fait un live qui fait référence à moi. Ma chère communauté, je vous promets sur tout ce qui m'est cher, je n'ai fait aucun live pour l'offenser ou pour faire allusion à elle parce que pour moi, on n'avait pas la même ligne éditoriale. Donc, sans doute, j'ai dû faire un live de sensibilisation. Peut-être ça a heurté sa sensibilité. Elle m'a fait croire que c'est quelqu'un qui lui a dit. Je lui ai dit, ma soeur, je ne t'ai pas fait de live. Elle dit, ah, moi, en tout cas, les gens là m'ont dit, c'est, on m'a dit. Elle venait toujours avec les on. Je reste tranquille, je trouve ça chelou. Je trouve ça chelou. Je fais le live de Pamela. Vous vous souvenez du live de Pamela? Le live de Pamela me ramène plus de 15 ou 10 000 personnes en moins d'une semaine. Ce live, je l'ai fait avec tout mon cœur. Ma chère communauté, c'était ma vie que je racontais avec amour et fierté. Parce qu'avant d'être une influenceuse, je suis une chrétienne et fière de l'être. Et ce que Dieu a fait pour moi, je ne pouvais le garder pour moi. J'avais besoin d'édifier les gens par rapport à l'histoire de Pamela. Je fais plus de 1 000 vues en direct. Elle m'appelle. Elle ne peut pas dire que je mens. C'était toujours ça. Elle me dit, allô, non, Omo Jang, dis-moi la vérité. Tu boostes ta page, non? Je lui dis, pourquoi tu dis ça? On me dit que tu boostes ta page, que tu mens, on voit tes lives partout, que tu dis même quoi d'intéressant pour que les gens regardent. Mes étoiles, ça me blesse. Ça me blesse parce que si vous allez regarder mon live de Pamela sur YouTube, vous allez voir la sincérité de mes propos. Parce que c'est une histoire que j'ai vécue. Et j'avais envie que le monde soit au courant, que les jeunes prennent conscience. Elle me dit, qu'est-ce que je dis d'intéressant? Et alors là, je dis dans mon cœur, mais cette fille, elle croit vraiment que elle est plus intéressante que moi. Donc moi, on n'a pas le droit de me regarder. Qu'est-ce que je dis d'intéressant? C'est ce qu'elle me dit. Alors je fais un sourire narquois et je lui dis, même si ce n'est pas intéressant, ce n'est pas grave. Eux, ils aiment ça. Elle dit, ah, qu'a dit la vérité, tu boostes ta page. Petit rappel, mon informaticien est connecté. Bloqué tôt. Le jour où mon frère d'un autre pays, le général Camille Makoso, me met en contact avec cet informaticien, j'entre en contact avec cet informaticien, je travaille avec lui. Le gars travaille sur ma page. La première des choses qu'il m'a dit, je n'ai jamais vu un blogueur qui ne booste pas sa page, l'étoile. Je ne pouvais pas imaginer que les vues que tu as sont réelles. Il n'a trouvé aucun post boosté sur ma page. Il m'a dit, waouh,
La plupart des blogueurs boostent leur page. Je lui ai dit, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai confiance en moi. Donc, elle a commencé à critiquer mon blog de cette façon, à critiquer mon travail. Et puis un jour, elle m'appelle. Elle me dit, Mojang, dis-moi un peu la vérité. On dit que tu m'insultes que je suis une prostituée, alors que toi-même, tu es partie, tu étais prostituée au Cameroun. Je vais dire le mot. Que toi-même, tu étais une prostituée au Cameroun. Tu vendais le ndongo aux vieux blancs. Et puis je ris. Je ris parce qu'elle me fait rigoler, franchement. Et que tu es partie au Gabon, un pays que je n'ai jamais vu. Tu vendais le ndongo au Gabon. Que toi, tu étais serveuse dans une boîte de nuit. Je regarde là où j'ai quitté mon pays. Je dis, mais la fille, c'est normal. Je lui dis que j'étais serveuse dans une boîte de nuit où je vendais le ndongo. Je lui dis oui. Et elle me dit oui. Je lui dis que, et qui t'a dit ça? Elle me dit ma collègue du ndongo avec qui je travaillais. Elle ne me dit pas ma collègue du ndongo, c'est moi qui rajoute. Elle me dit ma collègue avec qui je travaillais dans la boîte de nuit. Je lui dis, tu as raison. C'est possible que j'ai une collègue avec qui je travaille dans la boîte de nuit. Tu peux la mettre en contact avec moi. Elle me dit oui. Jusqu'ici, elle ne connaissait pas mon prénom, ni mon nom de famille. Ce piment de Monaco, on se parlait, mais jamais je n'entrais dans mon intimité, ni entrais dans son intimité, je ne parlais que de blog. Elle ne savait même pas comment je m'appelais. Elle m'appelait juste l'étoile cribienne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, tu sais, j'en ai un peu marre. Passe-moi ma collègue là, avec qui je servais dans une boîte de nuit et je vendais le ndongo aux vieux blancs. Elle me passe une fille qu'on appelle Walen Champou. La fille est au Maroc ou si c'est dans quel pays, elle prend le téléphone, elle met le haut-parleur. Je dis à la fille, elle voulait déjà trop parler pour arracher les mots. Je lui dis, vas-y doucement, on n'est pas ici au tribunal, on va parler doucement. Je lui dis, bonsoir ma chérie. Elle me dit, bonsoir, dis-moi ma soeur, je suis ta collègue, non? Elle me dit, oui, on a travaillé ensemble. Je lui dis, ah d'accord, mais s'il te plaît ma chérie, est-ce que tu peux me donner mon prénom? Piment de Monaco arrache la conversation. Elle dit, de toute façon, vous les vendeuses de ndongo, vous ne donnez jamais vos prénoms. Je lui dis, tu as raison. Nous, les vendeurs de ndongo, on ne donne jamais nos prénoms. Dis-moi, ma chérie, mon faux prénom là, comme je suis ta collègue, c'est lequel? Si sa copine là est là et qu'elle est l'enfant de Dieu, elle est honnête, elle va mettre son téléphone en marche et vous dire que c'est vrai. La fille dit que, à vrai dire, tu ressembles un peu à quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle commence encore à prendre la parole. Elle dit, caca, tu as inventé ton nom. Je dis, ok, mon prénom, ta copine ne connaît pas. Mon faux prénom, ma collègue ne connaît pas. Parce que moi, je sais que quand tu travailles quelque part, tu connais les noms de tes collègues. On en reste là, non? Elle me dit que tu as vendu le ndongo au Gabon, mes étoiles. Moi que vous voyez, si même pour voyager, c'est un problème. Vous comprenez? Demandez à ma famille. Même pour voyager, c'est un problème, surtout avec mes enfants. Je suis trop attachée à mes enfants. Les seuls voyages que je fais, c'est en France avec mes enfants pendant les vacances. La Suisse, je ne connais pas. Le piment de Monaco, là, elle a dit que je connaissais la Suisse. Je n'ai jamais mis mes pieds en Suisse. Je ne connais pas le Gabon. Les seuls pays que je connais, c'est le Cameroun et la France. Ça va me valoir des moqueries. Je ne suis en compétition avec personne. Je connais deux pays, ces deux pays-là. Elle parlait, parlait, parle. Et un jour, on termine la conversation, sa copine ne me connaît pas. Elle me rappelle, elle dit que, dis-moi un peu, tu vends le ndongo, mes étoiles. J'appelle une grande sœur en Suisse, je vais taire son nom. Je lui dis, grande sœur, la fille, si je ne sais pas ce qu'elle me veut. Elle m'accuse que je l'ai traitée de vendeuse de ndongo, elle me fait ci, elle me fait ça. Elle me fatigue, elle me dit que laisse-la. Elle m'appelle encore, elle me dit que tu m'as vendu, je vais te clasher. Tu m'as insulté que je suis vendeuse de ndongo. Je l'ai appelée au téléphone. Le jour où je l'appelle au téléphone, je lui dis, je peux te parler. Elle me dit, je t'écoute. À aucun moment, elle ne dit qu'elle est chez les clientes pour aller vendre ses perruques. Elle ne dit rien du tout.
Elle prend le téléphone. Quand moi je suis occupée, je ne décroche pas. Si je suis chez un client, je finis ce que j'ai à faire, je ramène mes affaires, je ne reste pas au téléphone. Elle me dit, oui, tu peux parler. Je lui dis, montre-moi le live où je t'ai traité de vendeuse de Ndungu, parce que là, tu commences à m'énerver. Elle dit, non, c'est que tu veux te jouer les saintes dans tes lives, tu viens donner les conseils aux gens, alors que tu es une vendeuse de Ndongo. On m'a dit qu'au Cameroun, tu vendais le Ndongo. Ici en France, tu vendais le Ndongo, que tu es une grosse vendeuse de Ndongo. Mes étoiles. Après, elle dit que, de toute façon, je suis en train d'arriver chez une cliente. Je lui ai dit, tu vas rester au téléphone. Parce que je suis fatiguée, en fait. Elle quitte de chez la cliente, elle dit que maintenant elle n'est plus chez la cliente ou elle est à côté de sa mère, je ne sais plus, honnêtement, je ne me souviens plus de cette phase. C'est là où je lui dis, tu vas faire écouter, écoute-moi bien, tu vas faire écouter là où je t'ai insulté. On va voir qui dit vrai. Je lui dis, écoute-moi bien, espèce de vendeuse de Ndongo. C'est moi qui lui dis, je ne suis pas responsable du fait que tu sois une prostituée. Tu vas arrêter de vouloir me coller ton étiquette de prostituée. Ce n'est pas moi qui suis venue sur les réseaux sociaux te traiter de vendeuse de Ndongo. C'est toi qui as dit aux Camerounais que tu es une vendeuse de Ndongo. Alors maintenant, si ça te cale au cou, tu vas assumer tes bêtises sur les réseaux sociaux. Mais tu vas arrêter de me coller des étiquettes parce que tu ne me connais pas. Elle dit que tu insultes qui? Je suis à côté de ma maman. Tu m'insultes pourquoi? Hein? Toi-même, tu es une vendeuse de Ndongo. Je dis que ma chérie, même si je suis une vendeuse de Ndongo, je ne serai jamais réduite à sortir avec les hommes comme toi tu as fait. Tu as compris? Ok? Je l'ai insultée copieusement. Quand je dis copieusement, c'est copieusement. Il y a des grandes sœurs, notamment la sœur de Suisse, dont je vous ai parlé, qui nous ont arrangés. Il y a une grande sœur qui était à côté d'elle, je ne sais pas qui c'était, dit que c'était ses clientes ou sa mère ou je ne sais qui, que je l'ai insultée devant sa mère. C'est elle. C'est comme ça que ça a commencé. Si ces copines-là sont honnêtes, elles vont vous dire. Elles ont dit non, les filles, laissez. L'étoile crie. Ma grande sœur, de Suisse. Moi, je l'appelle ma grande sœur. C'est pas la famille, mais on est comme la famille. Elle m'a dit, présente les excuses à ta sœur. Je ne voulais même pas. Elle a insisté. J'ai dit, moi, le droit d'aînesse passe avant tout. J'ai une grande gueule, mais je sais respecter. Elle a dit, présente les excuses à ta sœur. J'ai dit, si je t'ai... Même si je ne t'ai pas offensé, parce que moi, j'aime insister. Je te présente même les excuses, mais c'est toi qui as tort. On a laissé là. Comme elle n'avait pas de contenu, elle n'avait pas de visibilité, elle n'avait rien à proposer sur les réseaux sociaux. Elle est venue avec un concept où elle croyait que les Africains sont des imbéciles, que les Africains sont tellement intéressés par le string qu'elle va proposer sa bouillabaisse. Les gens vont la suivre, personne ne suivait. Matin et soir, ce qu'elle faisait, c'était de clasher ses copines. Alors, elle a eu un sujet pour me clasher. Le premier clash qu'elle me fait, ça n'a rien à voir. Oh là là, la lumière est partie. Je ne sais pas pourquoi. Le premier clash qu'elle me fait, ça n'a rien à voir. Avez-vous me voyez encore mes étoiles? La lumière est partie. Vous savez, je n'ai pas de filtre dans le téléphone. Ça n'a rien à voir. Voilà, la lumière. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez là. Elle avait déjà fait le clash là avant. Oh, vendeuse de piment. Tu me traites de vendeuse de piment. Je suis sur toi aussi, tu es une vendeuse de piment. Tu n'as pas honte. Hein? Elle a appelé le manager qu'elle m'a présenté en mentant que c'est un arrangeur. Elle lui a demandé d'appeler dans les lives pour se faire passer pour un gars avec qui j'ai écrasé le piment et il me payait. Vous comprenez? Donc que le gars se fasse passer pour un homme avec qui j'ai écrasé le piment et il me payait, qui vient appeler dans son live et il confirme qu'il était mon gars du piment. Le manager lui a dit au téléphone que je ne peux pas faire ça. Faites vos conneries là en Europe, moi je ne peux pas me permettre de faire ça. Elle a appelé toutes ses collègues du Ndongo pour passer dans ses lives, dire qu'elles me connaissent. Je vous ai raconté ici là, il y a une fille qui a appelé chez elle. Je vous ai dit que dans mon célibat,
J'ai présenté une fille à un ex, à l'ami d'un ex. On n'entre plus dans les détails. Et elle est partie écraser le piment dans la cuisine. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire là ici. J'ai entendu la voix de la fille là-bas. Elle a gâté la relation pour aller saquer mon nom chez Piment de Monaco. Voilà donc comment cette fille commence à me clasher. Je n'avais aucun problème avec elle. Que le ciel m'en soit témoin. Quand je dis aucun, c'est aucun. Est-ce la visibilité de Facebook éphémère? C'est possible. Je pense que le réel problème avec toi, ma chérie, c'est que moi, je suis une personne très simple. J'aime les choses simples. Même quand je m'habille cher, je veux que ça fasse simple. En fait, j'aime ce qui est beau et simple. Les étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs, partagez le live. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Et je crois qu'elle a tellement l'habitude, elle avait pris l'habitude de me voir dans mes lives très simples. Et quand elle m'a croisée, elle s'est sans doute dit que la fille, c'est que je vois simple, elle peut être mon Tinda. Vous savez, ces filles qui ont l'impression d'avoir tout réussi dans la vie, et quand elles sont face à des personnes qui ne parlent jamais d'argent, elles sont sûres qu'elles ont trouvé les pauvres. Donc elle se disait sans doute que moi qui parle avec elle, vu que je l'ai contactée, ce n'est même pas possible que j'ai déjà dépensé 1 million de francs CFA pour donner à un arrangeur. Elle s'est dit que le genre d'arrangeurs avec lesquels je peux travailler, ce sont les arrangeurs à 50 000. J'ai travaillé avec des arrangeurs comme Phil Bill. J'ai travaillé avec des arrangeurs comme Bertrand Eba. J'ai failli travailler avec des arrangeurs comme Salatiel. Est-ce que tu le sais ça? Donc, pour elle, je pouvais être son Tinda. Mais elle a compris que je ne suis pas le genre de fille qui peut être suiveuse d'une autre femme. Je préfère respecter, apprécier le travail d'une autre femme, mais je ne peux pas être le mouton d'une autre femme. Et comme ça n'a pas donné, elle croyait que je pouvais porter son sac. C'est pas possible. Moi là, même si j'étais pauvre, jamais je ne porterai le sac d'une autre femme. Je peux le porter par amour et par respect, mais pas parce qu'elle me dépasse. Parce que j'ai un peu de dignité. Ma chérie, je t'ai dit que c'était le premier tome. C'est ton cadeau de Noël. On va donc commencer à parler. Mes étoiles, refaites un tour de partage. Partagez massivement ce live. J'ai expliqué aux Camerounais comment je te connais. Contrairement à ce que tu as fait croire et que tu as laissé croire, quand c'était déjà vu dans la vraie vie, tu as menti. Mon ex-rival qui a débarqué chez moi, elle a dit qu'elle t'avait contacté, que vous avez causé ensemble, que tu lui as dit que j'étais ta collègue de piment. Quand je suis venue raconter cette histoire, je ne l'ai pas racontée pour te détruire. Je l'ai racontée parce que j'ai eu mal au cœur. Moi, j'avais pardonné tes clashs parce que je t'ai considérée comme une petite droguée qui est un peu perdue et qu'il fallait te laisser faire parce que j'ai constaté que tu es bipolaire. Oui. J'ai eu pitié, j'ai laissé. Mais quand j'ai appris de la bouche de cette femme que Piment de Monaco m'a dit que tu es sa collègue de Monaco, sachant que je ne t'ai jamais rencontré dans la vie, j'ai dit à cette femme que je ne te connais pas. Au fait, à titre de rappel, j'ai fait une main courante à cette femme et j'ai cité ton nom. Sauf que cette femme, par derrière, elle a anticipé, elle a porté plainte. Il faudrait simplement que tu saches que la procédure est en cours. J'attends ma plainte. Elle m'a demandé d'enlever la vidéo que j'ai faite. J'ai refusé parce que je veux l'affronter devant le juge. Et ce qui est bien, c'est que moi, je n'aime pas perdre. J'aime les challenges, j'aime les défis. Devant le juge, il faudrait que tu sois cité parce qu'elle va répéter ça devant toi. Je vais t'apprendre que tout le monde ne fait pas le buzz pour s'en sortir sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne ment pas sur sa vie. Parce que vous avez dit que c'était un buzz. Je ne joue pas avec ma vie, pas avec ma vie de famille en tout cas. D'accord? Cette femme a dit, je cite, j'ai contacté ta collègue, je connais tout de toi. Je sais que tu allais dans les bars Le Molière. Ça, ce n'est pas faux. J'allais au bar Le Molière quand j'étais célibataire. Je fréquentais les grands milieux pour avoir la chance de tomber sur un homme de mon acabit. C'est ça la prostitution pour toi? Tu connais Le Molière? C'est un grand bar-restaurant. Parce que ma chère, mes petites soeurs qui me regardent, ce n'est pas parce que tu es
basse que tu dois finir avec quelqu'un de bas. Je vais dans les milieux où je peux tomber devant quelqu'un qui peut causer, on peut parler, il est poli, il est éduqué. Je ne vais pas dans les milieux de basse catégorie où je vais tomber sur quelqu'un qui ne va rien m'apprendre dans la vie. C'est ça la prostitution pour toi. Sortir le soir avec ses copines célibataires et avoir la chance de tomber sur un homme qui répond à nos critères, c'est ça la prostitution pour toi. On comprend qu'à chaque fois que toi tu sors, c'est pour vendre le ndongo. Désolée ma chérie, si tu as l'habitude que dès que tu dragues un homme le soir même il a déjà posé ton corps sur le lit, ce n'est pas le cas de tout le monde. Tu as compris? Cette femme a dit mot par mot ce que j'ai dit là. Quand je t'ai présenté les excuses, vous dites que je suis très orgueilleuse, n'est-ce pas? En fait, je crois que je vais être plus orgueilleuse désormais. C'est parce que j'ai du monde qui me suivent. J'ai du monde, des personnes qui me suivent et que je respecte. Parce que ces personnes-là prennent de leur temps pour regarder mes lives. Ils ne sont pas obligés. Ils les partagent, ils libèrent les cœurs, ils achètent des étoiles. Ils me soutiennent. Et que quand je vois que ces personnes sont un peu fâchées, je peux aussi faire profil bas. Quand 10 personnes te disent que tu as tort, tu peux te rabaisser. Plus de 10 personnes m'ont dit que j'ai eu tort de dire que c'est toi parce que je n'ai pas de preuves. Et ces 10 personnes, pour moi, ont eu raison. Je t'ai présenté des excuses. Tu viens faire ton cinéma après en disant, je m'en fous de tes excuses, ma chérie. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu acceptes mes excuses ou pas? Florence, merci. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu acceptes mes excuses ou pas, toi qui? Alors, je vais donc te faire ton premier tome, comme je t'ai dit. Permettez-moi de boire de l'eau et t'expliquer les choses. À peine je t'ai fait un petit live. Et là, on va parler comme au village, n'est-ce pas? Tu as commencé à appeler les renforts. Dis à tes renforts que je vais leur réserver peut-être un cadeau en 2025. La différence entre toi et moi, piment de Monaco, sur les réseaux sociaux, il y a catégorie et catégorie d'influenceurs. C'est que toi, tu travailles pour moi depuis des années, il y a plus d'un an, et je prends le temps que je veux pour te répondre. Mais dès que moi, je te fais un petit test pour te dire que je vais te répondre, et je te fais un live, en moins de 30 minutes, tu vas ouvrir ta caméra pour me répondre. Ça veut dire que tu as déjà tout dit. Je te dépasse, ma chérie. Ça veut dire que tu m'attends. C'est un honneur que je te donne de me répondre. Alors, tu m'appelles maître ou maîtresse, ce que tu veux. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Ta richesse que tu vantes là, que tu pompes l'air sur les réseaux sociaux, je vais t'expliquer des choses ce soir. Tu as compris? Je vais te faire comprendre des choses. Tu peux venir parler sur les réseaux sociaux, même diapason que moi. Tu peux. Mais quand tu vas vouloir me répondre, tu as ton ami Amer Kamer, je parie qu'il est connecté là. J'adore son tableau. Dis-lui que le peu de fois où j'ai regardé ses lives, il a un grand tableau, j'adore quand il écrit. La prochaine fois que tu veux ouvrir ton camembert, ta bouche remplie de liquide reproducteur que tu as passé ta vie à encaisser. Je te donne rendez-vous pour aller faire une dictée chez ton ami Amer Kamer. Je ne prends pas un de mes proches parce que tu vas dire qu'on a truqué dans la dictée. Et je prends à témoin les abonnés qui sont en train de nous regarder maintenant. On nous fait un test. Tu écris, j'écris. Et comme on ne peut pas écrire sur le tableau, puisque nous sommes en vidéo, Amer Kamer va dire... Je suis la patate. La tomate est montée à la rivière. Je te donne juste un petit truc de ton niveau pour que tu comprennes. Piment de Monaco a encaissé plus de 100 clients dans la vie. Elle dit que ce sont des clients d'appartement. Il faut que tu écrives tout ça sans faute. Si tu fais plus de fautes que moi en français, en grammaire, en conjugaison, ne te permets plus jamais d'ouvrir ta bouche. Tu vas comprendre que dans vendeuse de Ndongo où tu veux m'amener dans ton couloir, il y a ceux qui sont professionnels du lit. Ils se couchent, les hommes montent sur eux,
Et il y a ceux qui sont professionnels du béaba. Parce que quand toi, tu allais avaler les sucettes adultes, moi, je me faisais fouetter par mes parents pour essayer d'apprendre à écrire. Quand toi, tu allais tailler les sucettes adultes, moi, je me faisais gronder par mes parents pour retenir les résumés que j'avais appris à l'école. Pour essayer d'apprendre à me tenir devant les gens. Tu as compris? On n'est pas pareil. Est-ce que tu m'entends? Le temps que toi, tu as commencé à sucer tes sucettes adultes-là, parce que tu es professionnel dans ça, moi, je me faisais fouetter par les surveillants généraux des écoles quand j'arrivais en retard. Moi, je me faisais fouetter par les professeurs quand j'avais une mauvaise note. Moi, je me faisais fouetter par les professeurs quand je ne répondais pas bien aux devoirs. Le jour où tu veux encore me parler, viens au rendez-vous, je suis amère qu'amère. Je te donne rendez-vous parce que tout le monde peut parler sur Facebook. Tout le monde peut dire que je suis influenceur, j'ai la bouche. Mais je te demande de venir faire une dictée avec toi. Et comme ça, tu peux m'appeler collègue. Parce que les collègues doivent au moins faire la même chose. On n'est pas pareil. Tu entends? Est-ce que tu sais que le premier tome que je suis en train de te donner là, c'est un échantillon. Je te promets. Je t'ai dit que j'en ai trois. Et puis si je vois que je suis trop fatiguée, je te laisse jacasser comme à l'accoutumée. Hein? Ce n'est pas moi qui suis venue te traiter devant deux œufs de Ndongo. Les seules choses que tu as toujours su faire dans ta vie, c'est baisser ta culotte et n'importe qui monte. Les seules choses où tu as les compétences, c'est enlever tes soutiens et n'importe qui suce. Les seuls endroits où tu es professionnel, c'est baisser ton froc et on défonce ton rectum. Ce ne sont que à ces endroits-là où tu as quelque chose à proposer aux gens sur les réseaux sociaux. Tu es venu avec ce contenu. C'est ça ta réelle vie. Aujourd'hui, tu as honte du contenu avec lequel tu nous as vanté ici que tu es fier de ça. Tu as honte de ce contenu. Tu manques que tu n'as pas honte d'être une vendeuse de Ndongo. Oh que si, ma chérie, tu as honte. Tu voulais montrer que tu es King Kong, n'est-ce pas? Quand j'ai fini mon live, tu as voulu me menacer avec les impôts. Je n'ai pas encore fini. Faites un tour de partage. Tu m'as dit que tu vas appeler les impôts. Vous aimez menacer les gens, hein? Il y a une chose que je déteste dans la vie. Quand on veut me faire taire, j'aime qu'on m'appelle pour coopérer. Je n'aime pas quand on me commande, on me dirige. J'ai horreur de ça. J'adore les challenges. Bloqueto, libère massivement les cœurs. Les démons du piment sont en liberté. Ne les laisse pas piquer le live. Tu as dit que tu allais appeler les impôts pour leur dire que j'envoie des Western Union au Cameroun. Je te promets que tu n'as pas menti. Et ici, devant les Camerounais et les Français qui me regardent, j'ai envoyé au Cameroun plus de 30 millions. Et quand je dis 30 millions, c'est petit. À chaque fois, c'est possible. Il faut que tu ailles me dénoncer au centre des impôts. D'accord? Il faut faire vos petits chantages là à ceux qui ont des choses à se reprocher en Europe. Tu m'as dit que je devais justifier aux contribuables français d'où vient l'argent que j'ai l'habitude d'envoyer au Cameroun. Je n'envoie pas moins de 1000 euros par mois dans mon pays d'origine. Tu as compris? À la seule différence avec toi, c'est que cet argent n'émane pas de la sueur de mon string, mais de la sueur de mon front. Comment? Tu vas chercher. Tu as compris? Mamie, tu vas chercher. Lorsque je ne sais pas si c'est Monsieur Messin ou bien Président Amout, avait porté plainte à je ne sais qui ici. Toi, c'est-à-dire l'école est bien. Ton petit cerveau de bouillabaisse là te perturbe vraiment. Tu es venu avec tes nibas remplis d'eau liquide sale dedans. Tu es venu vociférer en disant oui, Facebook c'est le game. Facebook c'est le game. Hein? C'est quoi qu'on porte déjà plainte aux gens? Hein? C'est le game. Et qui est? Si Samuel Eto'o portait plainte à tout le monde, tu as oublié tes propos? Je suis en train de te paraphraser tes propos. Si Samuel Eto'o portait plainte à tout le monde, bizarrement, madame, il faut arrêter de fumer. Et quand tu fumes,
pense à sécher. S'il n'y a pas le soleil, prends le fer à repasser. S'il n'y a pas le fer à repasser, mets derrière le frigo. Ça, c'est la technique que les élèves comme nous, on faisait, on mettait nos tenues derrière quand on avait oublié de laver nos tenues dans la semaine, le week-end. Et on, le dimanche, on se rappelait que la tenue était sale. On avait peur que le jour, le lundi de la levée de couleur, on se fasse tabasser. On lavait la tenue le dimanche, on mettait derrière le frigo. Aujourd'hui, tu menaces les gens en disant, j'ai des avocats. Tu n'es pas plus procédurière que moi. Tu me connais très mal. Aujourd'hui, tu nous rappelles que tu es très riche. Tu as des avocats qui sont prêts à venir plaider pour toi. En fait, ta plaidoirie, tu ne la fais plus toute seule. Pourtant, depuis qu'on te connaît, tu as la longue bouche ici sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit de moi, tu me parles d'avocat. Regarde-moi. Je suis mon meilleur avocat. Tu as compris? Piment de Monaco, j'attends tes avocats. J'espère qu'ils ont les compétences. Parce que moi là, je vais me défendre toute seule. Tu as oublié que c'est le game. Aujourd'hui, tu parles d'avocat. Ce n'est plus le game de Facebook. Tu nous parles d'avocat aujourd'hui. Ah bon? Les seuls moments où moi je peux faire appel à un avocat, c'est lorsqu'il s'agit d'une entreprise. Mais ici sur Facebook, si tu as un nouveau-né, va téter les seins de ta mère. Et si le lait ne coule pas, passe au bibi. Et si le bibi ne coule pas, demande la tétine. Tu as compris? On ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu as voulu jouer, on va jouer. Est-ce que je t'ai fait comprendre que c'est le premier tome? Tu as retenu que c'est le premier tome. Viens avec tes bataillons, tes collègues du piment. Je vous écrase tous. J'ai dit que quand 10 viennent, je chope un. Le reste, ce sont les oiseaux de mauvaise augure. Je réponds quand je veux. Tu es venu nous dire que tu vendais le piment. Tous les Camerounais savent que c'est toi qui as dit ça. Le Cameroun, l'Afrique tout entière retient que tu es une prostituée. Les biens que tu viens nous vanter, on n'en a rien à foutre de tes biens parce qu'on sait comment tu as eu tes biens. Ne te permets plus jamais d'insulter une personne qui vit dans les HLM parce qu'il est préférable de vivre dans les HLM, avoir une vie digne que de vivre dans les palaces, savoir qu'on nous a déféqué dans la bouche pour avoir ces palaces-là. Savoir qu'on nous a défoncé le rectum pour avoir ces palaces-là. Tu devrais te cacher. Avant toi, il y avait des vendeuses de Ndongo. Après toi, il y aura des vendeuses de Ndongo. Seulement, avant toi, les vendeuses de Ndongo se cachaient parce qu'elles savaient que ce n'était pas un métier honorable. Certaines le faisaient par dépit. Tu veux que je t'explique ce que veut dire par dépit? Elle n'avait pas le choix parce que tu risques de ne pas comprendre. Et est-ce que tu te rends compte que ce soir, je suis en train de parler avec un jargon qui descend à ton bas niveau de moralité pour que tu puisses un peu me comprendre parce que tu risques d'être perturbé et ce n'est pas bon. Avant toi, il y avait des femmes qui avaient la bouche. Après toi, il y aura des femmes encore qui auront la bouche. Mais seulement, elles restent dignes. Tu es la pire vendeuse de Ndongo que moi, l'étoile caribienne, je connaisse sur les réseaux sociaux. Tu es la pire. Tu n'as rien fait ou tu penses que les gens sont là pour s'intéresser à tes biens. On s'en fout de tes biens. C'est-à-dire, quand on te voit, tu fais référence à la prostitution. Écoute-moi bien. Quand on te voit, tu fais référence à la prostitution. Ta place n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est à Pigalle. Ta place n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur les affiches de Playboy. Ta place n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est dans les films X. Parce que tu fais prostituée. Tu fais salope. Tu fais connasse. Tu fais sale. En fait, que tu ailles demain te vêtir de soie, on saura que tu restes une guenon. Que tu ailles te vêtir de soie, on saura que tu viens de la pisse. Je veux que tu comprennes que je n'ai jamais eu peur de toi. Je veux que tu comprennes que là où j'insulte, tu ne pourras jamais faire. Je suis en train de te dire que ce soir, je te caresse. Tu m'as fait comprendre que j'ai eu peur de Ducamère. Ah, jamais. Jamais. Il n'y a personne là qui me fait peur. Quand je dis personne, à part celui qui est
là-haut, au-dessus de ma tête, est celle qui m'a mise au monde. Je t'ai dit que ta place n'est pas sur les réseaux sociaux. Si on te laisse un peu là, te pavaner comme un démon en liberté, c'est parce qu'on a pitié de toi. On voit que ça ne va pas là dans ta tête. Ça ne tourne pas rond. Ta place, c'est au bois de Boulogne. La prochaine fois que tu veux me parler, donne-moi rendez-vous là-bas, je vais t'interviewer. Tu vas me dire comment tu as commencé à rouler les sucettes adultes dès le ventre maternel. Parce que toi, tu es professionnel dans l'art de la prostitution. Aujourd'hui, tu as honte de ton métier. Tu vas assumer ton métier. Tu vas éviter de vouloir coller toutes les Camerounaises à ta sale vie, ma chérie. Tu m'as dit que ma maison était une maison collée. Les gens qui vivent dans les maisons collées, 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 il n'y a même pas d'espace. Toi, tu as l'espace, mais on sait comment tu as eu ton espace. Hein? Voilà une fille qui nous a pompé l'air sur les réseaux sociaux en nous disant qu'on lui a offert des Mercedes. Dernier cri, etc., etc. Et quand mon dossier que moi-même j'ai amené sur les réseaux sociaux, ils l'ont analysé à leur façon, ils ont mis la bouillabaisse dessus pour faire tomber mon level. Mais vous ne pouvez pas y arriver parce qu'il y a Dieu dedans. Cette fille qui nous dit qu'elle connaît les Mercedes, parce que c'est ce qu'elle nous chante sur les réseaux sociaux. Il y a ma soeur Aïcha Kamoise pour me défendre qui dit: le prix de la Mercedes de l'étoile s'étend. Elle arrive dans un truc tellement elle est jalouse. Elle dit, on lui dit, piment de Monaco. C'est vraiment vrai. Elle fait aka. Et qu'elle voulait aussi mettre sa copine en haut, non. Tu nous as dit qu'on t'a offert les Mercedes neuves. Tu ne connais pas le prix d'une GLA restylée. Pas de premium. Tu es choqué devant le prix d'une GLA restylée. Madame, tu es sûre qu'on t'a déjà acheté une voiture neuve un jour? Parce que si toi, tu es capable de douter du prix d'une GLA restylée, pas de premium, c'est que tu as passé ta vie à mentir sur les réseaux sociaux. Tu es choqué du prix, un prix que moi, je n'aurais jamais. C'est-à-dire, si ce n'était pas Aïcha, je n'ai pas besoin. Ma mère m'a appris dans la vie que mon enfant, pour vivre mieux, vit cachée. Je peux vivre dans une voiture qui coûte 500 euros, je me sens bien. Je peux rouler une Mercedes qui coûte tant, je me sens bien. Parce que j'ai dépassé ça. C'est une question de maturité. Si toi, ça te surprend, parce que tu t'attendais à ce que moi, je roule dans une petite Renault, puisque moi, je ne parle pas de voiture sur les réseaux. C'est toujours toi qui viens nous pomper l'air avec tes richesses. Et tu es sûr que les gens s'intéressent à tes richesses. Ma chérie, les vues que tu t'es faites sur les réseaux sociaux, la petite visibilité que tu t'es faite là, ça n'émane pas de ton cerveau, c'est encore ton string qui a parlé. Tu as eu besoin d'exhiber les hommes. Les hommes ont besoin de préparer le savon pour regarder ton live. Parce qu'ils s'ennuient en Europe, il fait froid, ça caille, ils n'ont pas la possibilité d'avoir les femmes. Ils savent qu'en regardant le live de piment de Monaco avec un savon à côté, ils vont se satisfaire. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Et toi, tu viens me parler? En fait, un homme, pour préparer sa nuit paisible, il a besoin de regarder ton live. Parce qu'il va voir tes ballons que tu appelles Niba. Et il prend son savon, il se fait plaisir. Et les démons retombent sur toi. Parce que c'est toi qui as poussé ces hommes-là à faire ces pratiques-là. Tu les excites. Madame la milliardaire, tu crois que j'ai peur de toi? Les prochains lives que tu vas préparer, dis bien à tes copines. Dis à tes copines de la pimenterie de bien préparer leurs mensonges. Parce que même là encore, je vais te démonter. Tu as compris? Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Je te l'ai déjà dit plus d'une fois. Tu es une fille jalouse et tu vas finir mal. Tu es une fille qui veut dominer, mais tu n'as pas le potentiel de dominer. Le seul moment où tu as du potentiel, c'est quand tu es à quatre pattes. Le seul moment où tu as du potentiel, c'est quand tu tailles. Donc tu ne peux pas dominer. Le monde n'est pas fait que de sexe. On a besoin des cerveaux pour faire évoluer le monde. On a besoin des mathématiciens. On a besoin des personnes qui sont cultivées. On ne peut pas parler que de sexe, ma chérie. À un moment donné, le sexe, c'est la nuit. Parce que tout ce qui est nuit est démoniaque. Et dans la journée,
C'est l'intelligence qui prime. C'est pourquoi tu vas voir les machines qui font de l'argent s'arrêtent la nuit. Les machines qui produisent l'électricité, on est tout ce qui est argent, tout ce qui est positif, tout ce qui est travail, les gens arrêtent au bout d'un moment. La nuit se repose. Mais la nuit-là, les prostituées comme toi ne se reposent pas. Elles sont obligées de travailler. Tu n'as pas de repos, ma chérie. Ne te permets plus de dire qu'il y a une Camerounaise qui est jalouse de toi. Ta vie, c'est-à-dire, on ne t'envie en rien. Tu sais pourquoi tu as ton peu d'abonnés qui te suivent encore aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des petites rêveuses. Comme tu es une bonne petite mythomane, c'est-à-dire que tu as ça dans le sang. Ça coule, c'est dans ton ADN. Tu leur vends le rêve. Elles se disent qu'en étant amies avec Piment de Monaco, tu vas pouvoir leur montrer les plantations de piment. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que tu es tellement égocentrique que même si tu avais une voix, tu garderais cette voix pour toi. Parce qu'il faut qu'on ne voie que toi. Il faut qu'on n'entende que parler de toi. Tu ne peux présenter personne à personne. Tu parles de milliardaires. Nous, on a épousé les pauvres. Très bien. La seule milliardaire qui mendie les étoiles comme moi sur les réseaux sociaux, c'est toi. Moi, je peux me permettre de mendier les étoiles. Hein. Moi, je vis dans les HLM. Je n'ai pas de maison en France. Je roule une voiture à 500 euros. Je dors dans un 10 mètres carrés. Moi, je peux. La seule milliardaire sur les réseaux sociaux qui, elle n'a pas de contenu pour avoir un peu de monétisation. Et dès que quelqu'un pique un peu, elle court vite aller faire un live parce qu'elle veut un peu de blé. C'est toi. Les milliardaires comme la reine d'Angleterre n'étaient pas en train de traîner avec nous sur les réseaux sociaux. Les milliardaires comme Johnny Hallyday, compte bancaire plein, ne traînaient pas sur les réseaux sociaux avec nous. Ne mendiaient pas les étoiles avec nous. Oh, je ne peux plus faire de live pour le moment parce que ma monétisation est tombée. J'attends que ma monétisation revienne pour faire les lives. Tu n'es plus milliardaire. Nous, on peut pleurer quand nos monétisations tombent. Quand tu vas appeler Ducamer à la rescousse, dis à Ducamer que si je ne lui réponds pas, c'est parce que je n'ai pas le temps. Ce n'est pas la peur. Aucun de vous ne me fait peur. L'homme qui va me faire peur sur cette terre n'est pas né. Aucun. Je vais tomber. Je vais me relever. Parce que celui qui me soutient est plus fort que votre injustice. Celui qui me soutient est plus puissant que votre sorcellerie. Est-ce que tu entends? Milliardaire. Une femme qui passe sa vie à vous montrer tout. Ses enfants, son prétendu homme à la maison. Mais le seul milliardaire qu'elle ne vous montre pas, c'est celui qui a une dent dans la bouche. Et elle est sûre qu'on n'a pas compris à son jeu. Tu te souviens quand tu étais en vacances à Kribi? Parce que Kribi, c'est mon village. Ce n'est pas ton village. Tu n'es pas kribienne. Tu as juste usurpé le nom Kribi. Tu as compris? Tu étais à la banque avec ton milliardaire. À la canne, là. Parce que mon vieux de 95 ans, là, moi, je l'ai toujours caché. Et mes vieux enfants de 100 ans, là, moi, je les ai toujours cachés. On est habitués. Et toi, kribienne, ne montre rien. Mais toi, tu nous montres tout. Les titres fonciers, les titres de propriété, propriété. J'ai 20 titres de propriété, propriété. Tu as 20 titres de propriété. Au bout d'un moment, dans tes 20 titres de propriété, tu ne pouvais pas enlever 100, 100, 100, 100 euros. Tu peux prendre les cours d'orthophonie pour au moins, même si ce ne sont pas tous les mots que tu dis, tu prononces bien, tu prononces au moins propriété comme il le faut, parce que tellement tu aimes cette étiquette, tu ne peux pas faire l'effort de respecter ça. Tu ne peux pas faire l'effort de dire titre de propriété parce que tu adores dire ça. Il faut aussi que tu boycottes même ce titre-là. Ça lit le mensonge en fait de ta vie. Parce que même propriétaire est étonné. Même propriétaire, propriété est étonné. Je suis propriétaire et ça ose me parler. Est-ce que tu sais que ça fait longtemps, je voulais te répondre, mais le temps, ce n'est pas la peur. Tu es trop petite pour moi. C'est-à-dire que ça me fait chier de dépenser mon énergie pour de la merde comme toi. Je te dis vraiment,
Parce que là où je parle, ma chérie, tu ne peux pas parler. Là où je fais un business plan de vie pour motiver les gens, tu ne peux pas, ma chérie. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Là où je démarche pour acheter, je me tais. Tu ne peux pas démarcher. Je suis commerciale de profession. Tu ne me peux pas, ma chérie. Toi, tu es vendeuse de ndongo de profession. À quel moment on est pareil? Je suis propriété. Je serai bientôt propriété à Paris. Propriété. Propriétaire. Répète après moi. Propriétaire. Pro. Tu es parti à la banque avec ton milliardaire. Avec la canne. La fille qui t'a dit, hein, c'est Dada ici, c'est ma cousine. Tu l'as toujours caché parce qu'il a une dent dans la bouche, n'est-ce pas? Tu as dit que tu assumais tout, non? La seule personne que tu peux nous montrer, c'est celui qui est un peu normal en fait. Mais le vieux, là, tu caches. Voilà celle qui s'est mise sur les réseaux sociaux pour insulter mon physique. Ma chérie, libérez massivement les cœurs, partagez le live, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner mes étoiles. Tu as attaqué mon physique. Tu m'as appelé, comment elle m'a appelé encore? Bifaka. Tu sais que le bifaka est très bon dans le ndolé. Le mets de pistache, ça a le goût mal. Ça, je te le dis. Quand on est une femme et qu'on se permet d'insulter le physique d'une autre femme, il faut être sûr qu'on n'a rien à se reprocher. La seule belle femme qui a besoin d'aller se charcuter le ventre pour pouvoir l'exposer comme l'étoile caribienne. Tu es plus belle que moi, mais tu as payé pour avoir le ventre que moi j'ai naturellement. Trouve l'erreur. Est-ce que tu connaissais l'intrus à l'école? On demandait de trouver l'intrus. Voilà le travail que je te donne. La seule belle femme qui est tellement magnifique, plus belle que tout le monde, elle a eu besoin d'aller se pomper les fesses. Je ne sais pas combien elle a dû payer. Je ne sais pas combien de mecs ont dû casser son dos pour se procurer cet argent. Et au lieu d'investir ça dans ses conneries, comme elle aime dire qu'elle est riche, elle a dû pomper du plastique encore. Tu avais dit dans un live que quand tu vas me voir, tu vas me donner deux baffes, n'est-ce pas? Regarde-moi bien. Je sais que tu peux me taper, hein. C'est possible. Hein, ma fille? Vous aviez dit ici que je pouvais t'accoucher, non? Mon bébé, c'est possible que je puisse t'accoucher? Tu as même dit que je suis ta grande soeur. C'est possible, je ne suis pas ta grande soeur, je suis ta mère. Quand tu vas me taper, s'il te plaît, fous-moi au sol et ne me donne pas l'occasion de me relever. Parce que maintenant que tu m'avais prévenu que tu vas me donner de bonnes baffes, que tu vas me fouetter, il y a une seule chose que je vais faire. Je garde désormais à chaque fois que je marche une aiguille dans mon sac. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que les bifaka n'ont pas la force. Quand on enlève la peau, on casse comme ça, là, c'est déjà dans la marmite. Mais ce qui est bien, c'est que quand il y a une arête du bifaka qui entre dans ta gorge, tu sens la douleur. Mon aiguille, là, comme je m'appelle bifaka, quand je vais me relever, je perce tes deux bouées de sauvetage que tu appelles saines. Tu as compris? Vous avez dit ici que toi et moi, on a le plastique, non? Que j'ai fait les saines, non? On va voir qui a les saines naturelles. Qui de nous deux a les seins naturels? Je pèse comme ça. Moi, je ne me prends pas la tête. Et là, tu pourras appeler tes avocats. Il faut bien garder ce live parce que je crois que ce live, je vais le laisser traîner sur ma page pendant 10 jours pour que tu puisses avoir la possibilité de l'enregistrer et de l'amener au poste de police. Par contre, n'oublie pas que tous tes premiers lives, moi, je les ai gardés. Non pas parce que je comptais te porter plainte, mais simplement parce que je savais que les prostituées mentent beaucoup. D'accord? Au moins, on aura la genèse de l'histoire. Parce que tu nous parles beaucoup d'avocats. Je perce. Pouf! Pouf! Tu as compris? Souviens-toi de ça. Et quand tu vas aussi soi-disant percer ma part, tu diras aux Camerounais qu'il y a les vrais seins. Tu entends? Je suis belle, mais tout est refait.
Et même le ventre qu'elle vient de charcuter est encore déjà en train de grossir. On dirait la rivière du Cameroun. La rivière là. La Famba. Ngoy. Abeva. Mboate kaneni ya pongono miso ka ilema. Obimba uwe, nende jiko mlongo. Obimba, usibimba bwam. Umebiamba. Ingele. Une femme qui arrive sur les réseaux sociaux sans objectif précis. Tout ce que vous la voyez faire dans le live, je vous promets sur tout ce qui m'est cher. J'ai vu sa soeur blogueuse essayer de m'insulter là sur YouTube tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Elle, je prononce son nom sur ma part parce que moi, mon nom, c'est, je suis sa brosse à dents. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais me gêner. Vous voyez comment elle fait les lives, elle met la musique. Je vous ai dit dans la journée que c'est la veuve joyeuse qu'elle essaye de singer. Je vous promets que c'est vrai. Sa référence à elle, c'était la veuve. Tu as vu comment la veuve fait, non? Ok, je mets aussi la musique comme ça, les gens aiment ça. Aucune personnalité. Aucune personnalité. La veuve qui m'insulte pour toi là. C'est ici sur les réseaux sociaux, je vous promets, on va vous voir courir. Je vous promets que c'est vrai. Il n'y a pas d'amour pour toi, la veuve. Elle n'a aucun amour pour toi. Cette fille profite de ta petite notoriété. Parce que tu ne le sais pas. Mais il y a des Camerounais qui t'aiment, ma chérie. Et je ne dis pas ça pour être ton ami, ça ne m'intéresse pas. Même dans les rêves. Mais je te parle pour te dire que tu ne me fais pas peur, mamie. Ce qui la motive à être avec toi, c'est que tu lui amènes un peu de visibilité. Tu as compris? Observe bien la scène. Elle a insulté tout le monde, mais elle a peur de toi. Mais toi, tu as peur d'elle parce qu'elle veut te bluffer avec ses biens éphémères, avec ses biens à crédit. Tout est à crédit. C'est normal d'avoir du crédit. Mais quand on sait pourquoi elle prend le crédit, pour bluffer les gens, ça fait honte. Elle a bien peur de toi. Quand tu l'insultes, elle ne te répond pas, c'est qu'elle a peur. C'est une peureuse. Elle trouve les faibles sur les réseaux, ceux en tout cas qu'elle croit qu'ils sont faibles, et elle s'agrippe comme elle a fait avec ses copines. Observez bien la scène. Quand elle t'a invité, elle ne t'a pas invité parce qu'elle t'aimait. Elle t'a invité parce qu'elle voulait tes abonnés. Elle ne fait rien de bon. Et elle sait que les hommes qui la suivent sont les pervers. Il n'y a pas de personne sérieuse là. Je suis sûre que quand elle reçoit, elle finit la journée, on lui dit, tu prends combien? Hein? C'est combien pour toucher tes seins? Ce n'est que ce qu'elle peut recevoir comme proposition parce que c'est une vendeuse de Ndongo. Vous n'êtes pas pareil. Quand sa page est tombée, vous savez, je suis trop bête en fait. Vous riez de quoi? Quand sa page est tombée, je ne savais pas plus que je me souvenais même plus qu'elle existait, je vous promets. Et puis un jour, je cause avec ma soeur Aïcha, on dit, mais elle est même où? Après notre conversation, je cherche, je tombe sur une vidéo où elle dit qu'elle a perdu sa page. Je vous promets, j'ai eu pitié d'elle. C'est pour ça que j'ai fait le post. J'ai dit, mais comment on peut faire tomber la page de quelqu'un? Moi, je ne suis pas rancunière, en fait. J'ai fait le post. J'enlève le post quand la femme là vient chez moi. Quand sa page est tombée, ses pervers n'arrivaient pas à la relever. Parce que les pervers, ils sont là juste pour regarder ces gonflés, gonflés qu'elle appelle seins. Les seins sont plus gros que le corps. Elle est là comme ça, comme Robocop. Même danser la dépasse. Même moi qui ne sais pas danser, danse comme les blancs. Elle est là comme ça. On ne vend pas, piment à crédit. Mes bébés d'amour. Mes bébés d'amour. Regardez mes fesses. Mes bébés d'amour. Elle fait comme la souris. Quand elle est déjà en train de vendre son dongo dans les chambres, elle devient autre chose. Mais sur les réseaux sociaux, elle fait comme un enfant. Une petite gamine, pourtant une perverse. Les filles qui font la zoophilie. Les filles qu'on prend les animaux parce qu'elles veulent l'argent. Elles sont prêtes à tailler les sucettes des animaux pour s'en sortir dans la vie. Ça vient me parler. Sors tout ce que tu as, ma chérie.
Sors les voices. Je t'intime l'ordre et je te somme. Comme elle a vu qu'elle n'avait pas d'abonnés, elle a fait semblant de convoquer sa sœur la veuve chez elle. Parce qu'elle savait que la veuve allait parler de sa page. Merci Vicky. Elle savait que la veuve allait parler de sa page et ça a marché. Moi, du profit. C'est votre marionnette, non? Elle aime ça, non? Tu savais qu'elle allait parler de ta page. Tu aimes qui sur les réseaux sociaux à part toi? Toi, tu aimes quelqu'un? Tu insultes tout le monde. Tu es jalouse de tout le monde. La coach Amon qui est en Côte d'Ivoire, elle achète une maison. Elle vient critiquer la maison de la coach Amon et ça ose me parler. Coach Amon dit que tu as acheté à crédit. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu achètes à crédit. Tu n'es pas obligé d'avoir tous ces crédits. Mais comme tu veux ressembler à un tel, tu te forces de passer ta vie avant de l'Ndongo pour avoir tous ces crédits. Coach Amon Chic n'était pas ton égal. Elle fait un blog qui lui rapporte comme tu ne peux pas imaginer. Ce n'est pas parce que toi tu as un crédit que tu vas dire que ta vie de crédit, c'est la vie de tous les Camerounais. Méfie-toi de ce que tu fais. Parce que c'est comme ça que dans ton petit cerveau de moineau, tu penses que tout le monde vend le Ndongo. Toi, tu es le genre de fille, l'homme te dit bonjour, tu dis que tu vas m'acheter quoi? Les filles calculatrices, tu es habitué à ça. Ton langage, c'est prostitution. Bonjour, piment de Monaco, tu m'achètes quoi? Bonjour, piment de Monaco, on peut se marier, tu me donnes combien? Ça, c'est ton langage. Quand tu vas venir faire ton sale, il n'y a pas un homme qui peut se lever. Il n'y a pas. Qui va dire que l'étoile crivienne m'a déjà dit que tu me donnes combien? Tu as compris? Mon corps là, mon dos là, il faut demander à mon homme pour que mon homme mette ça sur le lit là. Aïe! C'est ce qu'on appelle une djinn fille littoralienne. L'argent là, toutes les femmes demandent de l'argent à leur conjoint. Mais chacune a sa façon. Et c'est pour ça que chacune se démarque. Tu as compris? Toi, ta façon là, tu vois la prostitution partout parce que tu es ça dans le sang. Ton étiquette là, tu vas rester avec ça seul. Tu as compris? Les Camerounais retiennent que tu es une vendeuse de Ndongo. Tu dis que tu es en train d'acheter tous ces biens pour donner à tes enfants. Quel avenir tu as fait pour tes enfants? Demain, si tes enfants sont à l'Élysée, tu sais ce que les gens vont crier? Oh, l'enfant du piment de Monaco est devenu président, l'enfant aura honte. Il va perdre les élections parce qu'il aura honte de toi. Maman était pimentière, professionnelle de la saleté. Et ça ose parler devant les djinns camerounaises. Il faut la fermer. Tu as compris? Il faut encore venir me provoquer. Je t'ai dit que c'est le premier tome. J'attends. Je vais te donner ça propre. Je suis riche, je suis riche. Une riche qui s'ennuie. Elle se fait tellement chier dans sa vie merdique. Hein? Je suis riche, je suis riche. Même riche même. Je suis riche, riche, riche. 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 J'ai l'argent, j'ai un appartement. Va prendre des cours. Il n'est pas trop tard pour faire une remise à niveau. D'accord? Je suis polyandre. Même la polyandrie est étonnée. La seule milliardaire qui, même quand elle sort avec ses présumés milliardaires, ses yeux sont toujours rivés pour chercher d'autres milliardaires. Tu ne peux pas te concentrer sur tes deux tortues que tu as ramenées là. Hein? Tu en as marre? Tu croyais que ramasser l'argent des gens qui ont fini de travailler, facile, c'est facile? Les gens finissent de travailler toute leur vie. Toi, tu crois qu'avec tes deux perles de sein, on va te donner ça pour rien. Tu vas travailler pour ça. Ne leur montre pas seulement le côté clair. Hein. Montre-leur ce que tu fais la nuit. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais au fait? Comment tu fais pour écraser les deux sans compter les autres de la nuit là? Hein? Tu finis d'abord avec l'un et tu prends l'autre après? Ou alors les deux se servent de toi comme marionnette? Hein? Tu es juste une poupée gonflable en fait. Ben oui. Quelle honte. Et toi tu crois que moi je peux envier ta vie? Espèce de poupée gonflable. Parle-moi encore. Elle a peur de moi. Elle a peur. Qui a peur de toi? Je suis riche. Je suis riche. Vous êtes jaloux de moi parce que je suis riche. Le 18, je vais aller à Paris acheter un appartement. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous savez, je vous avais sensibilisé un jour sur les sacs. Vous avez vu le sac que je vous ai montré dans la journée? Je vous ai dit que je le vendais à 600 euros. Je vous ai dit que c'est l'une des pires conneries de ma vie. Vous vous souvenez? J'avais fait acheter ce sac par l'influence d'une amie. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit plus jamais. Quand tu achètes un sac de marque, quand tu achètes, c'est un exemple, là n'est pas un sac de marque, c'est un simple cuir. Quand tu achètes un sac de marque, je vous exhorte aujourd'hui, mes chères petites sœurs qui me regardent, si tu l'achètes parce que tu l'aimes et non pour le mat tu veux, tu vas profiter de ce sac. Mais si tu l'achètes pour avoir des regards rivés dessus, pour attirer des regards lubriques et en faire des jaloux, tu vas beaucoup souffrir. C'est le genre de filles, elles achètent des sacs après leur séance de partout avec les chiens et les animaux, je ne sais pas où. Elles viennent là. Les autres filles normales ne regardent pas leur sac en fait. Leur sac n'intéresse personne. Elles sont obligées dans leur soirée parisienne. Je vous avais déjà parlé de ça. Elles font comme ça. Comme on n'a pas remarqué leur sac en fait, elles meurent dans leur propre film. Ne suivez pas ces vendeuses de rêves. Ce sont des vendeuses de rêves. Elles font comme ça. Elles parlent seules. Mon Gucci, mon MS. Les enfants bien éduqués ne savent même pas ce que veut dire MS. Parce que les enfants qui étaient à l'école n'ont pas le temps de regarder les marques. Ils ont le temps de regarder l'avenir. Mon Hermès, ah, je ne vais même pas le porter demain. Je vais plutôt porter Chanel. Quand l'autre fille ne répond pas, elle va dire que l'autre fille est jalouse. Alors que l'autre fille ne comprend pas qu'elle est en train de se vanter. L'autre fille n'est pas au courant du prix de son sac. Parce que l'autre fille, son argent, c'est dans ce qui est positif. Les chaussures, pareil. Elles vont dans les soirées. Elles vont dans les soirées. Elles soulèvent pour montrer que c'est des Louboutins qu'elles ont au pied. La vie des rêveuses. Vendre son corps juste pour venir se vanter. Être salope internationale juste pour dire que je dépasse tel. Tu ne dépasses personne. Tu as passé ta vie à clasher tes copines sur les réseaux sociaux, mais elles te dépassent. Tu as clashé si c'est qui Canan. On a vu sur les réseaux que tu ne l'atteins pas à la cheville. Tu as cloué ton bec. Tu as voulu traîner son nom dans la boue. Tu as fait croire que ce sont elles qui étaient le problème, alors que c'est toi. Ma chérie, tu nous dis que tu peux avoir le milliardaire. N'es-tu pas venue ici là pleurer le milliardaire présumé que tu as perdu? Je t'ai dit que tu es une poupée gonflable. Tu ne sers à rien d'autre. Merci Vicky. Tu es une poupée gonflable. Tu ne sers à rien d'autre. La preuve, tu as eu un présumé milliardaire. Tu m'as expliqué que tu allais en vacances au Cameroun et tes copines sont restées le piquer. Ça prouve quel genre d'homme sort avec toi. C'est-à-dire que quand tu étais là la poupée de l'instant, la poupée du soir, la poupée de tous les jeux érotiques, dès que tu es un peu parti en vacances, tu ne lui as pas manqué parce que tu ne sers à rien. Il a pris la femme intelligente qui est ta copine. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ne font que du sexe. L'homme aime le sexe. L'homme aime la femme qui prend soin de lui la nuit. Mais après la nuit, l'homme aime la femme qui a de la matière grise dans le cerveau. L'homme aime savoir que je rentre du travail, je suis épuisée, je peux parler de ma dure journée de labeur à ma femme. Elle rentre du travail, elle est épuisée. Nous pouvons ensemble parler de nos dures journées de labeur. Mais toi, on va te dire, mais ça là, ça, tu vas seulement dire, ben tu as vu la sucette adulte en plastique qui est là-bas, j'ai acheté ce qui est rose aujourd'hui. Ce n'est que ce que tu peux apporter comme discours. Rien d'autre. Ça se voit sur toi. Pour avoir un peu de visibilité, tu as besoin d'aller t'habiller en lingerie pour appeler du monde. Et même ça, tu n'arrives pas à faire long feu. Quand on sait que Coach Amon est habillé en veste, elle fait 5000 vues en ligne. Tu ne comprends pas qu'il y a un problème. Même en nuisette, tu n'arrives pas à attirer du monde. Mais tu es poisseuse. Tu fais des lives en nuisette. Tu te déshabilles, on voit tes tétons. Tout est dehors. Tu es prête même à faire l'amour devant tout le monde tellement tu es vulgaire. Même avec ça, tu n'arrives pas à faire de vues. Nous, c'est normal, nous sommes laides. Nous n'avons rien dans la tête, nous ne servons à rien. Nous sommes les enfants des pauvres. Toi, tu es milliardaire, mythomane.
mythomane de ton espèce. Elle vous a dit qu'elle est métisse, non? Même les métisses sont étonnés. Vous voyez, mais quand elle... Pardon. Quand elle vous appelle mes bébés d'amour, l'amour qu'elle a rajouté, elle a pris ça chez moi. Ça, je peux dire que bon, c'est pas grave, je suis une inspiration. Mais est-ce que moi, je suis déjà venue me plaindre que tu m'as plagié? Ben non, parce que j'ai trouvé que tu aimais. C'est moi qui appelais mes étoiles les étoiles d'amour. Tu n'avais pas l'amour là. Tu as rajouté. Parce que pourtant, tu critiquais mon blog. Pourtant, tu critiquais mon blog. Est-ce que tu penses que le tome-ci est assez bon? Je veux que tu mettes au Camerounais les voices que tu as. Les voices de Mondongo que les Camerounais jugent par eux-mêmes. Je veux que tu mettes au Camerounais les voices où je t'insulte. C'est une menteuse comme vous la voyez. Vous avez vu, elle fait le clash avec une fille là sur les réseaux sociaux. Et elle dit qu'on lui a envoyé des trucs. J'étais dans ton live là. Tu as vu, moi j'ai pas de faux profil. Hein. Moi je viens dans les lives des gens. Quand je suis là, c'est avec mon vrai profil. Et quand vous m'énervez, je commente. J'ai pas besoin de créer les faux profils. Ce sont les lâches qui créent les faux profils. Elle fait comme ça. Tu as vu, non? Je te connais. Elle m'a fait la même chose. Voilà, voilà l'autre qui a parlé de toi. Elle prend les parties où elle peut faire entendre aux Camerounais que l'autre est fière vendeuse de Ndongo comme elle. Parce qu'il faut que les Camerounais collent la même étiquette sur l'autre. Celle-là, je l'ai gardée au placard. Mais il faut dire la vérité. Tu as compris? Elle fait comme ça. Je l'ai gardée au placard. Je vais lui répondre peut-être en 2027. Écoutez, parce qu'elle dit qu'elle ne vend pas le Ndongo. Je crois qu'elle disait un truc comme ça. Je coupe parce qu'il ne voulait pas qu'on entende. Elle ment. Elle n'avait rien à dire. C'est sa stratégie. Comme il y a les moutons sur les réseaux sociaux, ils vont dire que oui, on a dit ça là-bas. C'est l'étiquette qu'elle veut coller à tout le monde. Elle a honte de vous avoir annoncé qu'elle est une vendeuse de Ndongo. Observez-la bien. Elle essaye maintenant de faire croire que c'était un buzz. Ce n'est pas un buzz. C'est une vendeuse de Ndongo international. Ce n'est pas un buzz. Elle essaye d'enlever ça parce qu'elle a compris qu'il y a des Camerounaises jeans sur la toile. Elle a compris que même celles qui ont vendu le Ndongo refusent de venir faire sa saleté. Elles sont dans leur coin. Elles respectent leur mari. Elles respectent leurs parents. J'aime à insulter devant ma mère. Je suis responsable du fait que tu vendes le Ndongo devant ta mère. Moi là, le jour où mes frères apprennent que j'ai fait une saleté en France, si j'arrive au Cameroun, on va me fouetter avec l'arbre de paix. Un jour ici sur les réseaux sociaux, j'ai voulu danser comme tout le monde. À moins de 5 minutes, ma vidéo a sauté parce que mon grand frère dit « C'est quoi ça ?» Toi qui te connais, qui te surveille, tu crois que dans ma famille, on peut me laisser faire la bouillabaisse que tu fais sur les réseaux sociaux? Espèce de mal élevé. Une fille qui n'a aucun respect pour personne. Elle insulte les aînés comme si elle insultait ses camarades. Une fille qui regarde un homme d'une cinquantaine d'âge, elle insulte et parle. Vous croyez qu'elle a encore peur de quoi? Elle s'est mise devant Monsieur Messan. Elle insulte parce que vous croyez que vous êtes de la même catégorie? Tu n'as pas eu un peu de respect pour ce monsieur? Tellement elle est habituée à tailler les sucettes ménopausées qu'elle croit que tout le monde sont ses gars de la prostitution. Elle n'a aucun respect pour personne. Tout, c'est la saleté. Il faut voir comment elle vocifère ses énormités. Tes amis qui défendent la prostitution, ils sont amis avec toi à quel moment? Tu n'es pas une salope? Est-ce que je t'ai dit que c'est un échantillon? Est-ce que je t'ai dit que c'est le premier tome? J'attends tes prochaines sorties. Oh, ne pleure pas. Hein. Ne pleure pas. Quand tu vas appeler tes collègues blogueuses, avec tous vos collègues de piment, vous tous, je vous prends. Mais je m'agrippe à toi. D'accord? Les autres, je vais leur répondre en 2026. Donc, c'est pour toi pour le moment. Je suis fière de savoir que dès que moi, je te fais un live, tu vas vite travailler. Et c'est ta place de boniche. Tu as toujours été bonne. Bonne la nuit, bonne le jour. Bonne des sucettes adultes, bonne des femmes. Bonne de tout en fait. Dis aux Camerounais que tu avais dit que tu voulais écraser le pistache avec moi. Ce n'est pas un mensonge. Dans notre conversation avec Ducamer, tu as dit que je suis ton style. Ma chérie, j'ai 3 enfants. Tu ne pourras jamais dire que c'est vrai parce que j'ai compris que tu es une mythomane. Le jour où je t'ai posé la question de confirmer un truc qui s'était passé entre Ducamet, toi et moi, par rapport à la réconciliation qu'il voulait faire quand tu m'insultais, tu as dit devant tout le monde sur les réseaux que ce n'est pas vrai. J'ai su que tu es une mythomane.
Je suis maman de 3 enfants. Je ne suis intéressée que par une seule chose. Je ne suis pas homophobe, mais ce n'est pas ma ligne éditoriale. Dans le sens figuré, j'aime les sucettes adultes, et surtout une seule, pas au pluriel. D'accord? Je n'aime pas ce qui est plat. Surtout que les femmes comme toi, c'est pas sûr que c'est toujours propre. Donc, je préfère un homme. Ne rêve pas. Parce que même dans tes rêves, tu ne peux pas m'atteindre. J'ai horreur des démons de nuit, les maris de nuit. C'est nul et sans effet. Donc, même dans tes rêves, je ne peux pas te dire que dans tes rêves, tu peux m'avoir. C'est comme si je te donnais l'occasion de m'avoir. Je validais. Même dans tes rêves, tu ne peux pas me faire l'amour. Tu vas te contenter des chiens et des crottes que tu as l'habitude de manger. Pas moi. Et tu vas te contenter des ménopausées que tu as chez toi. Tu vas continuer à être esclave des poils blanches à ton âge pour avoir la gloire. On n'est pas pareil. Tu entends? Les poils blanches, en soi, ce n'est pas mauvais. Nous tous là, nous allons atteindre ça. Mais pour toi, avec ta grande gueule là, de finir comme ça, tu fais pitié. Tu as compris? Hein? Tu fais pitié. C'est toi qui dévalises toutes les pharmacies à enlever les Viagra pour essayer de forcer parce que ça ne répond pas. Tu es obligé de forcer. Tu as déjà mis tous les silicones pour essayer d'exister. Ça ne donne pas. Tu es esclave des ménopausées. Tu vas rester esclave de ça. Madame la milliardaire, madame la plus belle, aucun jeune dans ton entourage n'arrive à tomber sur le charme de ta beauté. Hein? Il n'y a que des personnes qui n'ont plus les dents dans la bouche qui s'intéressent à toi. Tu ne comprends pas qu'ils versent leur vieille retraite sur ton corps. La poisse de ça. Hein? Ils prennent ton sang jeune, ils te donnent le mauvais. Et toi, tu es là, tu es sûr que tu les exploites. Ce sont eux qui t'exploitent, ma chérie. Attendons voir quand tu auras 50 ans. À quoi tu vas ressembler, mamie Soya? J'en ai terminé. J'ai assez parlé ce soir. Les étoiles, j'attends le retour. Merci, Chevalier Laure. Vous savez, je m'excuse, ma communauté. Mais ces gens des réseaux sociaux, il faut parfois leur dire qu'ils ne sont rien. Elle a passé son temps à clasher tout le monde. Jalouse. Les seules choses qu'ils savent faire sur les réseaux, c'est menacer ceux qui parlent. Hein, tu sais qu'on peut saquer tes produits. Hein, tu sais qu'on peut te dénoncer aux impôts. Allez-y. En France, faites toujours l'effort d'être clean. Vous voyez cette marque de produits cosmétiques? J'aurais pu aller travailler chez AliExpress, comme ils ont dit. J'ai travaillé dans un laboratoire à vérifier. Avec votre méchanceté, merci pour tes étoiles, mon étoile. Avec votre méchanceté, vaut mieux être prudent. Les seules choses qui viennent de Chine, c'est mon packaging. Mes produits sont sans hydroquinone. À vérifier, quand vous allez vouloir saquer mes produits, j'utilise mes propres produits. Mes clientes sont fières du travail que j'ai effectué. Quand tu allais dans les lives, parce que tu croyais que moi je sors une marque avec 2000 euros, qu'est-ce qu'elle raconte? Moi-même j'ai les fournisseurs, avec 2000 euros on peut faire les produits. Les 2000 euros avec lesquels tu parles de produits, ce sont les produits qu'on fait derrière les cases pour venir mettre sur le corps des Africains. Tu as compris? J'espère que tu as bien vu le camion de produits qui est arrivé et que tu as compris que ça n'avait rien à voir avec 2000 euros. J'espère que tu as bien vu. Tu ne m'as pas clashé, n'est-ce pas? C'est bizarre. Tu dis qu'on doit te clasher sur tes richesses. Pourquoi toi, tu m'as clashé en parlant de mes produits parce que vous voulez déjà casser. Radiant Mélanine, qu'apparemment vous avez traité ici, elle continue à vendre. Elle continue à avancer, mais elle n'est plus sur les réseaux. Et elle continue sa marque parce qu'elle n'était pas mauvaise. Quand vous fassiez tomber mes produits, nul et sans effet au nom puissant de Jésus, je vais tomber, mais je vais me relever. Avec ou sans mes produits, je vis. J'ai investi dans mes produits. Je n'ai pas travaillé au quartier. Madame, quand tu vas vouloir aller saquer, quand tu vas appeler les impôts, je te donne les infos. Appelle aussi la maison de l'emploi. Appelle. Demande-leur de vérifier mes produits. La honte va vous tuer. Je vous donne déjà ce que vous pouvez dire. Dites-leur que mes produits sont toxiques.
On va prendre chacun de mes laits. On va faire tester dans un autre laboratoire. C'est comme ça que ça se passe en France. Je te donne des informations. Quand tu crées une marque de produits cosmétiques en France, on amène dans un laboratoire. Tu enregistres tes produits, tu connais la procédure, n'est-ce pas? Quand on parle de produits cosmétiques, quand tu travailles avec un laboratoire, tu ne passes pas par un fournisseur. Le fournisseur, c'est pour les produits comme les gaines. Le fournisseur, c'est pour les produits, par exemple, comme les bijoux. Quand on parle de cosmétiques, on parle de laboratoire. On ne parle pas de fournisseur, d'usine. On parle de laboratoire. Quand tu vas vouloir casser mes produits, regarde bien le travail qui est dessus. Parce que vous avez dit, vous avez menacé en disant, on va clasher tes produits, clasher. Qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu. Ces produits-là, ils se vendent comme les petits pains. Parce que quand tu as une posture sur les réseaux sociaux, quand tu sors quelque chose, les gens savent qu'il y a du travail dedans. Mes abonnés, mes étoiles sont fiers de consommer mes produits. Ce n'est pas le bébé. C'est du lourd. Mes produits sont vendus aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Afrique. Moi-même, je suis étonnée. On ne fait pas pareil. Pendant que vous étiez occupés, merci pour vos étoiles, mes étoiles. J'ai refusé les étoiles, mais voilà mes étoiles qui me donnent les étoiles. Pendant que vous étiez occupés à m'insulter, je vous avais dit que pendant que vous serez en train de travailler pour moi, là, de m'insulter, moi, je serai en train de travailler pour moi-même. Je ne suis en compétition avec personne, à part moi-même. Tous les jours, j'essaye de me surpasser, pas pour les autres, mais moi. C'est la gamme Cribiclair, mes étoiles. Quand tu appelles les impôts, n'oublie pas mes produits cosmétiques. Tu as compris? Je te dresse la liste. En France, on doit surveiller. Tu as compris? Parce que vous aimez la lâcheté. Hein? On peut attaquer tes produits. Attaquer! Les Camerounais vous connaissent. Mes étoiles, c'est un coffret de 5 produits. Ici, nous avons le lait corps Cribiclair. Une gamme anti-tache, unifiante, qui nettoie, qui clarifie le teint sans décaper le teint. Il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique, il n'y a pas de parabène, il n'y a pas de corticoïdes. Voilà ma gamme. Regardez le lait. Voilà le lait que l'étoile cribienne utilise. Quand vous mettez la crème sur le corps, vous sentez l'odeur, vous êtes content. Ok? J'aime faire dans la précision. Il faut saquer. Rien que l'odeur qui reste sur la peau. Le goût de ça. Demandez à celles qui ont déjà commandé. Elles sont nombreuses là. Et elles vont rester fidèles. Parce que vous provoquez les gens pour venir faire les chantages dans le travail des gens. Vous avez passé toutes vos années à détruire le travail. 500 ml de crème corporelle. 500 ml de gel douche à base de feuilles d'or. Ce gel est lissant, nettoyant, gommant. Merci beaucoup, Michel. 100 ml de sérum visage, nettoyant, anti-tache. 50 ml de crème visage. Pendant que vous m'insultiez, moi j'avançais. J'ai travaillé pour ma gamme. 250 g de savon peint. 165 € ce coffret cosmétique. Vous allez sur le site. Bloquez Thomas le site. Le site est épinglé là. Voilà le lien du site. www.letoiletribienne.com. Je livre partout. Pour mes produits minceurs, j'ai une représentante. Vous allez trouver après ce live les liens complets sur le titre. Les produits minceurs, vous allez sur le site. Le coffret minceur est là-bas. Vous pouvez aussi parler de mes coffrets minceurs. Ce sont des plantes 100% contrôlées en France. Quand tu es sur les réseaux sociaux, prépare-toi aux attaques. Quand tu sors un produit, sois sûr que derrière, on ne peut pas t'attaquer. Voilà. Parce qu'ils sont très forts. Ils aiment la lâcheté. Ils viennent mentir, ils viennent faire le game sur les réseaux sociaux. Mais ils sont capables de détruire le travail des autres. Moi, quand je fais le game là, je le fais, on voit que c'est le game. Mais je tiens à te dire que ce soir, ce n'est pas le game.
Et ce n'est pas pour que tu fasses la paix avec moi. Ne t'avise jamais à parler de paix avec moi. Ta petite hypocrisie là. D'accord? Ce coffret est à 165 euros, mes étoiles. Vous avez enfin une gamme, comme mes autres collègues qui ont choisi de bien travailler avec des vrais laboratoires. Voilà la gamme que vous recevez chez vous. Cribiclair, une gamme nettoyante, anti-tache, pour peau noire, mat et métissée. Ce n'est pas la gnognotte. Voilà. Voilà un travail de génie. On a minutieusement travaillé dessus. Pour les coffrets, mes soeurs, mes étoiles, pour perdre l'excès de gras, détoxifier le corps. Attendez, bannissez-moi cette personne. Depuis que je vends mes produits, j'ai besoin de citer son nom. Tu es fou ou folle? Depuis qu'elle parle de moi, vous êtes où? Pour mes produits minceurs qui détoxifient, enlèvent l'excès de gras, vous allez sur le site www.letoiletribienne.com. C'est ma page, ici. Je ne vais pas parler pour rien sur ma propre page. Je suis une influenceuse, ok? Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour parler de mes produits, c'est ma page. On me cherche, on me trouve. Viens encore me chercher, je t'ai dit que c'est le premier tome. Je t'attends. Voilà le travail que moi je faisais. Tu entends? Voilà le travail que moi je faisais. Tu ne t'attendais pas à celle-là, n'est-ce pas? Mes clientes sont fières de moi. Au moins elles comprennent qu'il y a blogueur et blogueur. Il y a influenceur et influenceur. Il y a impacteur et impacteur. Moi, ce que je souhaite, c'est laisser du positif à mes enfants. Demain, mon fils est président. Il n'aura pas honte qu'on jette les œufs sur sa tête en disant que sa mère était une vendeuse de Ndongo International. Appelez-moi la pimentière. Et on la laisse parler sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est devenue l'amie de tout le monde pour entrer dans le club de la haine. Vous avez oublié qu'elle dévergonde de vos enfants quand c'est pour l'inciter à haïr l'étoile qui vient. Elle qui? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre amour? Une femme qui a passé son temps à dénigrer les autres blogueurs pour essayer d'exister. Quand elle finit, elle met la peinture, elle enlève, elle parle aujourd'hui. Elle est comme les feuilles. Elle va comme ça, elle va comme ça, elle va comme ça, elle va comme ça. Vous avez remarqué que quand moi j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le lui dis, peu importe qui il est. Je ne fais d'hypocrisie avec personne. J'ai entendu dire que je faisais mes lives parce que je veux l'amitié avec Flore. Ah non, non, non. Je ne suis pas habituée à traîner derrière une femme comme moi. Jamais. Jamais. Je suis logique. Je suis logique. D'accord? Quand il y a le vrai, je parle. Ok? Allez bien regarder mes lives. Quand il y a le vrai, je parle. Quand il y a le faux, je parle. Bon, ma chère communauté, j'ai assez parlé. Donc, là, je suis fatiguée. C'est mon premier tome. Il faut encore venir, Catherine. Oui, elle regarde en faux profil. Elle regarde bien même. Merci beaucoup, Estelle. Merci infiniment. Donc, je vous ai dit mes étoiles pour les coffrets minceurs. Donc, le thé minceur, 60 thé. Les gélules minceurs, coupe fin, 60 gélules. La crème amincissante, vous allez sur le site www.letoiletribienne.com pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, partout. Mais au Cameroun, vous contactez ma représentante. Je vais mettre son numéro de téléphone. Pour mes produits cosmétiques, c'est pareil. Vous allez sur le site. Je vais vous mettre tous les liens après. Ma chère communauté, je vous remercie pour les partages. Ma page est sauvagement restreinte, mais vous avez fait l'effort. Je vais profiter de ce live pour vous dire que la haine n'est pas bien. Il y a des gens, je n'aimerais plus jamais les saluer. Pas parce que j'ai gardé la haine, mais parce que ce sont des serpents, il faut les fuir. Et il y a des gens, tu vois qu'ils n'ont pas un fond mauvais. Mes étoiles, la rose africaine est celle qui nous a soutenus depuis le début ici, là, sur les réseaux sociaux. Même dans les enfants du même ventre, il y a les problèmes. Soutenez la rose africaine du 237. Ne regardez pas ce qui s'est passé. Nikki Mbiaz, oubliez. Vicky va laisser. Lauriane nous te laissez, allez soutenir, vous tous, Clara New Look, allez soutenir la rose africaine du 237. Le démon est venu entrer au milieu de nous parce que les gens ont vu comment la rose me défendait. La rose nous a soutenus, ne lui manquez pas de respect. Quand elle est en ligne, partagez, likez sa page. Ils ont vu que deux sœurs du village s'entendaient. Il fallait venir s'aimer la zizanie alors que ce n'était pas une question de tribalisme. C'est normal aussi d'être fier de trouver sa sœur.
La rose africaine, c'est ma sœur. C'est aujourd'hui, c'est demain, après demain. Je l'aime avec ses défauts. Elle sait que je l'ai critiquée sur des points. Elle a reconnu. Elle m'a critiquée sur des points. J'ai reconnu. Je lui ai dit que je n'aime pas l'hypocrisie. Quand quelqu'un va où il y a mes ennemis, elle a compris. Elle m'a dit que je n'aime pas quand tu fais. J'ai compris. Il n'y a pas eu de haine entre nous. Nous sommes restés positifs. C'est mon aîné. Je lui dois du respect. La rose africaine et moi, on a fait la paix. C'est ma sœur. Je ne peux pas traverser son cadavre. Vous connaissez mes gens ici. Abonnez-vous sur la page de la rose africaine du 237. Aimez-la comme elle est. Personne n'est parfait. Moi-même, je ne suis pas parfaite. C'est comme ça. Mes étoiles d'amour, merci d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Victoria Vicky Vasquez. Olivier Longchamel d'un peu clashé. Olivier, ouais, non. Merci beaucoup, Rosette, tu adoras. Merci infiniment. Céphidini, merci, merci infiniment. Non, elle n'est pas haineuse, mon étoile. Ne dis pas ça. Salut depuis le Gabon. Oh, mes étoiles du Gabon, attendez. Armel Medza, bonsoir. Aïcha Kamoise, à toi, c'est un duo. Oui, c'est ma sœur. Je n'ai plus besoin, c'est ce que la rose me reprochait. Aïcha, je n'ai plus besoin. Vous savez aujourd'hui, la période là m'a prouvé qu'il y a tel, tel, tel. Vous comprenez? Les gens voulaient nous cogner les têtes. Les gens voulaient nous cogner les têtes. Et on a compris. Ça nous a permis de voir que demain, on doit être plus intelligent. Lolo ne m'a pas clashé. Tata Lolo a été plus intelligente que moi. Elle est restée focus. Quand tout le monde voulait qu'elle me tourne le dos, elle est restée là. Aïcha a compris. Et aujourd'hui, on avance. Eux, ils s'attendent à ce qu'un jour, on se clash. On est plus grande que vous. Quand vous voyez d'abord ses œuvres, vous comprenez qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Aujourd'hui, là, donner mon amour à n'importe qui, ce n'est plus comme ça. J'ai dit, je ne traverserai jamais le sang de Tata Lolo sur les réseaux. C'est ma sœur du village. Je ne traverserai pas le sang de la rose, je ne traverserai pas le sang d'Aïcha. Si on a les problèmes, on va gérer ça différemment. On ne vous donnera pas l'occasion de vivre ce spectacle. Je vous le dis. Même s'il y a quoi, on ne vous donnera pas l'occasion. En tout cas, pas moi, parce que je suis mature dans ma tête. Ce sera derrière. Mais qu'on va venir s'asseoir comme vous faites là, la honte de ça. Même s'il y a qu'on va gérer derrière. Oh, elles vont bientôt se gâter. C'est parce que vos amours ont l'intérêt. Vous allez vers les gens parce que vous voulez former un cercle pour détruire les autres. Vous allez vers les gens parce que vous savez que quand vous cherchez les problèmes, vous avez besoin des renforts. Est-ce que vous avez remarqué que mes combats, je les mène seuls? La plupart du temps. Après mon Dieu, mes abonnés, je suis là. Et moi, après mon Dieu, c'est moi. Mes abonnés viennent après. Je mène mes combats seuls. Viens seul. Faut venir, ça ne commence pas à payer. Je t'ai donné un défi avant de me répondre. On va faire la dictée chez Amé Kamé. Apaise aussi le nom des non-names comme nous, non. Salama Toudiams, bonsoir. Excuse-moi, mon étoile. Clara K, bonsoir. Berlin, bonsoir. Claire et Coquet. Parle d'amour ici. Dieu merci, je t'aime ma soeur depuis le Gabon. Merci le Gabon. J'ai compris que je suis suivie par une très grande communauté au Gabon. Je ne pouvais même pas imaginer que je suis autant suivie par les Gabonais. Le Gabon sera un pays que je vais visiter. Je dis toutes les Gabonaises là-bas étaient waouh. Waouh, j'adore, je vous aime. Je vous aime, oh, mes frères. Oh. Je vous aime de tout mon cœur. Poué Béatrice, bonsoir. Claire et Coué, merci pour tes cœurs. Bon, mes étoiles, je vais dormir, je suis fatiguée. Je vous embrasse très fort. Merci pour tout. Merci pour les partages. Merci pour le soutien. Merci pour l'amour indéfectible. Merci à toutes mes étoiles qui m'ont envoyé les étoiles, malgré que je vous ai demandé de ne pas libérer les étoiles. Merci, Vicky. Va, je vous embrasse très fort. Vicky, j'espère que tu vas bientôt accoucher. Clara, New Look, bisous. Lauriane, nous te bisous. Nikki Mbiaze, bisous. Mon amour de bloquer tout l'informaticien des informaticiens. Une fille se retrouve dans les problèmes. Je lui donne un informaticien parce que j'ai pitié d'elle. Elle part après parce qu'elle veut jeter le peuple contre moi. Elle dit que mon informaticien voulait voler sa page. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors que c'était juste pour l'aider.
Elle vous a dit qu'elle m'a enregistré le jour où elle m'a appelé pour faire semblant de me donner les conseils contre la femme, non. Je vous ai dit que c'est le premier tome. Attendez, je vais vous raconter. Elle est su. Donc, une vendeuse de piments va m'appeler. Moi, je ne sais pas qu'elle est en train d'enregistrer parce que je suis bête. Tu vois, elle avait déjà fait avant. C'est le premier tome. Bisous, mes étoiles. Bisous à mon informaticien, mon bloqué tout d'amour. L'informaticien qui a refusé de travailler avec les Camerounais. Parce que tous les Camerounais que je lui ai présentés, ce ne sont que des problèmes. Il travaille avec les Ivoiriens, il n'a jamais eu de problème. Les Ivoiriens paient son argent en temps et en heure. Les Ivoiriens ne le sabotent pas. Les Ivoiriens ne font rien de mal contre lui. La honte de ça. Mes étoiles, je vous aime. Bisous, bisous.